You are live on air. Are you a Muslim, my friend? Est-ce que tu es musulman? Ah, finalement, oui, bonjour. Finally, yes, I've been Muslim for 13 years now. Okay. Ah, bonjour, ah, finalement, je t'ai retrouvé. Je suis musulman depuis 13 ans. 13 years, what does that mean? You are 13 years old now? Lorsque tu dis 13 ans, qu'est-ce qu'elle veut dire? C'est là que tu dis que tu as 13 ans maintenant? Hold on. Attends. Hold on, because the voice... Listen, man. Attends, c'est comme si je suis en train d'entendre le son deux fois. Yeah, this is Jibril, my friend. Jibril is talking to you. Ah, donc là, c'est l'ange Gabriel, Jibril, qui est en train de te parler. Hold on. The voice is like two voices. Mais la voix, le son, c'est comme si ça sort deux fois. Okay, mute YouTube. Ah, tu dois fermer le son de YouTube. Mute, hold on one second. Attends une minute. Tu dis que je dois fermer le son de YouTube. Okay, I mute the YouTube. Can you hear me? I hear you. Okay, j'ai fermé le son de YouTube. Est-ce que tu m'entends? Go ahead. Hello? Okay. Perfect. Okay, vas-y. Okay, c'est bon. Okay, so I've been moving for 13 years. So I wanted to know, I just wanted to talk, Je suis musulman depuis 13 ans et j'aimerais qu'on puisse juste parler. I didn't know anything about hadith. Pas de problème, je ne connaissais pas grand-chose concernant les hadiths. When I became Muslim. Ah, lorsque je suis devenu musulman. What do you want to say to us? Can you turn the TV on? Can you turn the TV off, please? Est-ce que tu peux fermer le son de la télévision? Oh, my TV. Ma télévision? Because I hear like a TV already, I'm not sure. Oui, puisque j'entends, c'est comme s'il y a le son de la télévision, là. Je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Ok, can you hear me now? Est-ce que tu peux bien m'entendre maintenant? Yeah, I hear you, go ahead. Ok, je t'entends bien, ok, tu peux parler. Yes, I wanted you to just, show me stuff, let's discuss anything, just show me anything, because... Oui, j'aimerais que tu puisses, on puisse parler de quelque chose là, que tu puisses me montrer bien. Donc, on va faire donc une bonne causerie. Ok. I haven't seen anything, aside from we. I know we have 40,000 hadith and. Oui, bon, je n'ai jamais vu quelque chose. Bon, je sais que nous avons 40,000, à peu près 40,000 hadiths. We have the Quran. I haven't read all the hadith. Nous avons aussi le Coran et je n'ai pas encore lu tous les hadiths. So, are you an African, my friend? Est-ce que tu es africain, mon ami? I'm American, yes. Je suis américain, oui. American African, correct? Tu es africain américain, n'est-ce pas? Yes. Okay. Yes. I mean African American, you would say. Ah oui, bon, OK, bon, je peux dire africain américain. Yeah, correct. I really don't like using African American because that name came from Jesse Jackson. My friend, ah, je ne veux pas vraiment utiliser ce terme-là, africain américain, puisque ce terme-là est venu de Jesse Jackson, celui qui utilisait ce terme-là. Alors c'est pour cela que je n'aime pas utiliser le terme. I am not a born American. English is not my first language, so take it easy on me, okay? Mon ami, en tout cas, moi, je ne suis pas né américain, alors l'anglais ce n'est pas ma première langue, alors sois tranquille avec moi. I don't know who said that. I'm just using my little tiny English skills. Je ne sais pas qui avait dit africain américain. Je ne fais qu'utiliser que ma petite connaissance anglais, en anglais que j'ai. Speak to you. Is that okay with you? Est-ce que ça te va? That's fine. You sound good. It doesn't. Yeah. I understand. So you. I am. Ah oui, là ça semble bon. Ok. Not quoting somebody, I do not know anyone. I'm an immigrant. I am not. Donc, je ne suis pas en train de citer quelqu'un. Je suis un immigrant. Je ne suis pas américain. Not born USA. English is not my first language. Je ne suis pas né aux États-Unis. Et puis l'anglais, ce n'est pas ma première langue. So I'm not quoting anyone. I'm using my little English words, which I know to use. Donc je ne suis pas en train de citer quelqu'un. Je ne fais qu'utiliser ma petite connaissance en anglais. And I mean no disrespect. I'm just trying to find out who are you. No. Et je ne veux pas dire ça pour te manquer du respect. Je veux juste connaître qui tu es.
What do you think about a religion teach that all those who want to enter the heaven of Allah, Allah will make them white? Maintenant, qu'est-ce que tu penses d'une religion qui dit, par exemple, que tous ceux qui doivent entrer dans le ciel de Allah, Dieu va le faire blanc? All of those who would enter the heaven, Allah would make him white. Correct. Tu veux dire que tous ceux qui vont entrer dans le ciel, Allah fera d'eux, il va les transformer, ils seront des blancs. Correct? What do you say about that? Oui. Qu'est-ce que tu dis à propos de ça? I never read that. Ah, je n'ai jamais lu quelque chose de pareil. All right. Now, mais je n'ai jamais lu quelque chose, même dans le Coran, ça n'existe pas. Je n'ai jamais lu quelque chose comme ça. If this is true, my friend, même dans les hadiths, je n'ai jamais lu quelque chose de pareil. If this is true, are you willing to leave Islam? Maintenant, si je te montre ça et que cela est vrai, donc tu es prêt de quitter l'islam? I'm gonna need more convincing than that because you know. En tout cas, j'aimerais encore beaucoup plus de conviction à propos de ça, donc. So it's okay, my friend. Okay. This is not an easy decision. I know. Ce n'est pas une décision facile à prendre. Oui, je sais. I know, my friend. It's not about how many years. It's about how awful the truth is. Ah bon, c'est pas question de combien d'années que tu as fait dans l'islam. Je sais que c'est pas une décision facile. Ce qui vaut, c'est combien est véridique la vérité. So do you accept really somebody? Do you accept somebody teaching that all like black people didn't deserve to go to heaven? Est-ce que tu acceptes quelqu'un qui t'enseigne que les hommes noirs, les noirs ne méritent pas d'aller au ciel? But I don't believe that though, because I didn't read that ever. Yeah, je ne crois pas ça puisque je n'ai jamais lu quelque chose de pareil. Okay, well, I'm going to show you a hadith where it says clearly that Allah Prophet. Je te montrerai un hadith là où c'est écrit clairement le messager d'Allah, le prophète d'Allah. He created the black people and the white people from the right shoulder of Adam, and he said to the white people, "You go to hell, and I don't care." And he said to the black people, he created them from the left shoulder, which means from the sin shoulder, and he said to them, "You go to hell, and I don't care." Let me find the hadith. Je te montrerai un hadith là où on dit le prophète, votre prophète a dit. Allah a créé les hommes noirs et les blancs. Les noirs venaient de l'épaule gauche, donc du côté du péché, et ils iront en enfer. Et les blancs venaient de l'épaule droite de Adam, et ils iront au ciel. Et je vais te montrer le hadith si je suis en train de chercher ça. OK, because this is actually conflicts with many statements from the Quran and from other hadiths. Oui, puisque ça, c'est en désaccord avec beaucoup de déclarations du Coran et d'autres hadiths, si tu dis ça. And from the prophet's last sermon. And then I could only imagine. Et à propos de dernier sermon du prophète qu'il avait prononcé, et je peux m'imaginer. The prophet is telling people Moses is black. Adam back, and so on. Et imagine-toi, le prophète, il était en train d'enseigner les gens que Moïse est noir, Adam était noir, tout ça. Comment est-ce que tu peux dire ça? He said that. Where the prophet says Moses was black, that's a big fat lie. Qui t'a dit que votre prophète avait dit que Moïse était noir? Ça, c'est un gros mensonge. Where Allah, Muhammad, okay. He said, This is. They told you a lie, my friend. Here we go. The Quran. Ah, qui t'a dit ça? On t'a trompé. Quran says it clearly that even those who they are, like the black stone was white like milk, but the sin of mankind made it black. Et on t'a dit que même que la pierre noire était blanche, mais ce sont les péchés des gens qui l'ont rendue noire, n'est-ce pas? Right. I heard of that before, yes. Okay, so what is... Oui, j'ai déjà entendu parler à propos de ça avant. That mean? That means that sin make you black. Mais là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le péché est en train de te noircir. No, it's... You asking me what that means to me or to you? Yeah, to you, to you.
Donc tu me demandes si ça veut dire à moi ou bien à toi. Oui, à toi. Asking you now, if this is okay. If, why the black stone became black, because the sin, what he said the sin of mankind made it black. À toi. Ouais, puisque, comment est-ce que tu peux expliquer ça? On dit que la pierre noire était blanche, ce sont les péchés des gens qui l'ont rendue noire. Yes, yes, that's true. What do I take from that? If you're asking me that, I take from that because I know that. Bon, ok. Si tu me dis ça, bon, moi je sais, je peux expliquer ça dans ce terme ici. Term white, because I'm a student of history. Donc le terme blanc, bon, comme moi, je suis un étudiant de l'histoire. Okay, the term white was never used for Europeans. Le terme blanc n'a jamais n'était pas utilisé pour les Européens. The term red was used for Europeans. On utilisait le terme rouge pour les Européens. Ils étaient de rouge. So when you say white, it could mean pure as snow, as the Nazarite. Okay, we will see. Si tu dis blanc, cela veut dire ça peut signifier blanc comme la neige. We will see. Okay, we will see. No, we are talking about literally. This is a stone, my friend. This is. Attends, nous sommes en train de parler littéralement. Ça, c'est une pierre qui est noire, qui était blanche. This is not metaphorical. This is a real stone. It's a physical stone. Ce n'est pas métaphorique. Là, c'est une pierre réelle qui est là, physique. It is not about like white heart, dark heart. This is not what we are talking about. Ce n'est pas question, ça ne veut pas dire que le cœur blanc, le cœur noir, ce n'est pas à propos de ça que nous sommes en train de parler. And I'm sure your English is way better than mine. Et so, je sais très bien que tu parles anglais mieux que moi. We are talking about physical stone. Now, I want you to look. Nous parlons à propos d'une pierre physique. Toward me, I'm going to show you a hadith in the screen. I will put it in a second. Je vais te montrer un hadith. Je vais mettre ça dans l'écran. Je vais projeter ça dans l'écran. Et dans une seconde, si tu veux regarder l'écran. And I want you to read it for me, and I want your opinion to tell me what do you think. Je veux que tu puisses lire ça pour moi, et je veux que tu puisses me donner ton opinion. Tu penses quoi à propos de cet indice? Let me wait for you. Give me a second. Donne-moi une seconde. All right, it's in the screen. Go ahead. Le hadith est dans l'écran. Est-ce que tu peux lire ça? I don't see anything. I see a globe moving. Maybe. Ah, je ne vois rien. Je ne vois qu'un globe terrestre qui est en train de bouger. It will take a second for you to refresh and you will see. Bon, ça va prendre peut-être quelques secondes, hein, que tu puisses rafraîchir ton ordinateur et puis tu vas voir ça. I could look it up if you just give me the hadith. No, it's okay. It's in front of. Tu peux me donner cet hadith là, je vais voir ça. Non, le hadith est là devant toi. It's in front of us. I'm sure by now I should have it. Ah ben, par maintenant donc tu devrais avoir ça. C'est déjà, j'ai déjà mis ça dans l'écran. We are actually the admin is posting the link. There you go. Okay. It is. Okay. D'ailleurs, l'administrateur. Les administrateurs vont déjà te poster, ils vont poster cet indice en ligne. Ok, go ahead. Ah, c'est bon, j'ai reçu ça. Ok, tu peux lire ça. Narrated Abu Darda. Abu Darda. Abu Darda, raconté par Abu Darda. Allah's messenger, peace be upon him. Le messager d'Allah, paix soit sur lui. Said, Allah created Adam when he had to create him. Allah avait créé Adam lorsqu'il avait créé. And he struck his right shoulder. Il avait frappé son épaule droite. And there emitted from it white offspring. Et il y a eu une progéniture blanche qui est sortie de là. As if they were white ants. Comme si c'était des fourmis blanches. He struck his left shoulder, and there emitted from it black offspring as they were charcoal. Et il frappa son épaule gauche et il en sortit de là une progéniture noire qui était noire comme du charbon. He then said to those who had been emitted from
to those who had been emitted from the right shoulder. Et il dit aux à ceux qui étaient à celles qui étaient sorties de l'épaule gauche, de l'épaule droite plutôt, de l'épaule droite. For paradise and not mine. Il dit entrez au paradis. Il dit pour le paradis et je m'en fiche, je m'en fous. And not mine. And he said to those who had been emitted from the left shoulder. Et il dit à celles qui étaient sorties de l'épaule gauche, il dit. Is blocking. Can you scroll up a little bit? Ah, je ne vois pas bien ce qui est écrit là en bas. Est-ce que tu peux monter? C'est comme si. The time is blocking. Okay. Donc là, on a écrit l'heure. Ça bloque. Je ne vois pas ça bien. The rest of the word. Ah, ça bloque le reste des paroles. Non, j'ai bougé ça. He said they are for hell and I don't mind. So the black. Il dit, ils sont pour l'enfer et je m'en fous. He said they are for hell and I don't mind. So the black people they are for hell. They are. Donc, il dit que les noirs sont créés pour l'enfer. Donc. I can't see, but okay, I'll take your word for it. So he says they. Ah, je ne vois pas ça. Bon, ok, je fais confiance à ce que tu dis. Something, and I do not mind. Il dit, ils sont quelque chose, et puis je m'en fiche. They right? are, they are for hell. They are for hell. I make it clear now for you. You can see it. They are for hell, and I don't mind. Il dit, ils sont pour l'enfer, et je m'en fous. Je m'en fiche. So Allah, when He created the human being, He created them two kinds. Donc Allah, lorsqu'il avait créé les êtres humains, il en avait créé deux sortes. One from the right shoulder of Adam, and right shoulder present the right one. Il y avait les êtres humains qui sortaient de l'épaule droite de Adam, et l'épaule droite, ça signifie donc les gens bons, les justes. The good ones. Les meilleurs, les bons. Always in religion, yes. Right hand means the right decision to do, the right people. Donc, toutes les fois dans la religion, la droite, ça veut dire des bonnes choses, la bonne décision. Left is the evil one. So, et la gauche, c'est ce qui est mauvais. To do, the right people. Left is the evil one. So he, donc, la gauche, c'est les méchants. Created the yes, right people. We are people from the right. You're absolutely right. People from the right. We're called people from the right. So. Ah oui, bon, oui, c'est bon. Donc les gens de la droite, donc sont les gens bons. So, yes, I understand what you're saying. Oui, je comprends ce que tu veux dire. The white people, they are from the right hand, not you. Les blancs viennent de l'épaule droite, et ce n'est pas toi. Tu n'es pas inclus là dedans. Okay. Read carefully, my friend. It says. You hit the right shoulder. Ok. Tu peux lire calmement. Il dit, il a frappé l'épaule droite. And emitted from there the white of a spring, as if they were white ants, correct? Et il y a eu une progéniture, une postérité blanche, qui était comme des fourmis blanches. Right? Yes. Okay, the blacks, and then he hit his left shoulder. Et il a frappé l'épaule gauche. And from that emitted the black offspring. Et de là est sorti donc une postérité noire. Correct? Oui. Yes. Huh? Okay. And then he said to the one from the right, which means the white. Et il a dit maintenant à ceux qui étaient à la droite, ça veut dire que le blanc. You go to heaven, and I don't care. Il dit partez au ciel et je m'en fous. And he said to the one. Qui a dit ça? Allah. C'est Allah qui parle. Oh, okay. And then he said to the one who are created from the left shoulder, which means the black. Et maintenant, il parle à celle qui était créée à l'épaule droite. Cela veut dire les noirs. You go to hell and I don't mind. So, il dit, entrez, allez en enfer et je m'en fous. According to the faith of the cult of Islam, which is absolutely disgusting. Donc, d'après donc les saletés de la religion musulmane, de l'islam, ce qui est donc de la saleté, de la fausseté. You as a black person, you are created Come to on. Go to hell.
Donc, vous, en tant qu'un homme noir, vous êtes créé pour aller en enfer. Black person, you are created to go to hell. Oh, ne dis pas ça. What, come on, I'm showing you my friend. This is your Muslim website. You're a Muslim. Mais pourquoi est-ce que tu dis ça? Puisque je te montre ça, c'est le site internet des musulmans. Et tu es musulman, c'est votre site internet. I mean, I don't see the website or anything. I just see words on the screen. It looks like somebody typed it. The admin. Je ne vois pas donc ce website-là. Donc, je ne fais que voir le hadith comme tu l'as exposé sur l'écran. C'est tout ce que je vois. The admin is posting the link. You can open the link. You can read it yourself in the chat. Les administrateurs ont déjà posté donc le lien. Tu peux vérifier le lien. Tu peux ouvrir ça et vérifier ce que je t'ai dit. In YouTube chat. Okay, give me the hadith number. Let's make sure that this is a sahih hadith. Hadith. Donne-moi le nom, le numéro de cet hadith pour que je puisse voir si c'est un hadith authentique, si c'est sahih. Tirmidhi, hadith number 38, and this is the website alilm.com. Le hadith de Al-Tirmidhi numéro 38. Et voici l'adresse. And here we go in front of you. I'm sorry, alilm.org, which means knowledge. Hadith number 48. C'est ça, donc là on a tiré ça. Hein? Tu as dit hadith numéro 48. 38. 38. Tirmidhi 38. This is how they label it. Al-Tirmidhi, hadith numéro 38. And the admin is already posting for you the link, my friend. You can click at the link. Et les administrateurs ont déjà posté ça en ligne. Tu peux cliquer là et puis tu peux ouvrir. Which is shown in the screen in the chat, if you want. Et c'est, on a posté ça dans le chat. Tu peux voir ça. And you can open it. Et tu peux ouvrir. It's almost like somebody's talking next to us. Bon, c'est comme si quelqu'un est en train de rapporter ça, de parler dans cet hadith. My friend, Allah Messenger said. Mon ami, on a dit Allah, le messager d'Allah a dit ça. Allah Messenger said. C'est le messager d'Allah qui est en train de parler. That Allah said. Que Allah a dit. That Allah did, Allah created. Que Allah a fait, Allah a créé. Adam, and he said, so who is the one is talking here? Muhammad reporting what Allah did and said. Allah a créé tout ça. Donc, qui est en train de parler ici? C'est Muhammad qui est en train de parler. Il est en train de rapporter ce que Allah a fait et ce que Allah a dit. So the story is having two people only. Dans cette histoire, on n'a que deux personnages qui parlent. Muhammad reporting what Allah he did and what Allah he said after creating the white and the black. Donc c'est Muhammad qui est en train de parler et de rapporter ce que Allah avait fait et ce qu'Allah avait dit après avoir créé les blancs et les noirs. So he created the black, he said to them you go to hell. Donc il a créé les noirs, il a dit vous partez en enfer. And he created the white and he said to them you go to heaven. Et il a créé les blancs, il a dit vous partez au ciel. Okay, and this a hadith? Yes, this is At-Tirmidhi, hadith number 38. Donc tu dis dans cette hadith, oui, hadith de Al-Tirmidhi, numéro 38. And here we go, I will post the link again for those people who want to read it, including you, in the chat, so you can click on it. Et voici, j'ai posté moi-même cette hadith en ligne. Tu peux cliquer là, et tout le monde qui veut lire peut vérifier ça. And you can check. Et tu peux vérifier. Okay, I'm actually looking it up right now. Okay, je suis en train de lire cet hadith maintenant. It says this hadith is not authentic. On dit que cet hadith n'est pas authentique. Et dans l'entretemps, nous allons projeter ça en français pour les gens pour l'audience francophone. Là, c'est notre numéro pour celui qui veut entrer en contact avec nous. On va revoir cet hadith là. Rapidement. C'est trouvé dans beaucoup de livres, même dans Mishkat al-Masabi, le même hadith se trouve là, c'est en français. On dit, Abu Darda a rapporté que le messager de Dieu avait dit, Dieu a créé Adam, quand il a créé, il a frappé son épaule droite et a fait naître sa progéniture, blanche comme des petites fourmis.
et frappa son épaule gauche. Il en fit sortir une progéniture noire, comme s'ils étaient du charbon de bois. Comme s'ils étaient du charbon de bois. Puis il a dit au parti à sa droite, il a dit au paradis, et je m'en fiche. Et il a dit au paradis. Il a dit au parti de son épaule gauche, au diable. Donc pour dire en enfer, et je m'en fiche. C'est transmis par Ahmad ibn Hanbal. Il dit ceci, il s'est interprété ici, et je m'en fiche. Et il a dit à celui qui était dans sa paume gauche, du côté de gauche, il a dit à l'enfer. Il a dit en enfer, et je m'en fiche. Raconté par Ahmad. C'est un hadith qui est Isnad Hassan, qui est Sahih. Isnad Hassan, Zubair Ali. On retourne très vite chez Christian Prince. Ça, on était en train de lire pour notre audience francophone. Nous sommes là, de retour. Who's saying that? Qui t'a dit que ce n'est pas authentique? Qui t'a dit ça? I'm looking online, I'm Googling it right now. Hadith not authentic. Je suis en train de chercher sur Google, mais dit que cet hadith n'est pas authentique. Okay. My friend, anything will make Muhammad look bad, the Muslim, they say, is not authentic. Voici toutes choses qui montrent donc Muhammad dans une mauvaise couleur. Les musulmans disent que non, ça, ce n'est pas authentique. And here we go to a problem. Hold on. Maintenant, nous avons un problème. Attends. I show you a hadith is authentic, they will still not accept it. Même si je te montrais un hadith qui est authentique, vous n'allez pas toujours accepter ça. Let me ask you, did I hear that you have a dog at home? Attends, je vais te poser une question. Est-ce que j'ai entendu le son? C'est comme si tu avais un chien à la maison. C'est comme si j'ai entendu un chien aboyer. I have two dogs, yes. Okay. Oui, j'ai deux chiens chez moi. They're black. One is gray and one is... Did I hear that you have a dog at home? I have two dogs, yes. Okay, are they black? Est-ce que tes chiens sont noirs? One is gray and one is brown. Bon, j'ai un chien gris et un chien brun. Okay, do you believe really that the black dog is the devil? Est-ce que tu crois que le chien noir est un diable? I believe the hadith you're talking about was talking about wild dogs. Ah, je pense que cet hadith dont tu veux te référer, ça parlait des chiens sauvages. Doesn't matter, no. It says a black dog. The black dog is the devil. Peu importe. Cet hadith-là dit le chien noir est un diable. Do you believe in that? Est-ce que tu crois en ça? The black dog is the devil. Tu veux dire le chien noir est Satan? Oui. Who said that? Qui a dit ça? Muhammad. C'est Muhammad qui a dit ça. He said the black dog is the devil, or is he talking about the specific situation where he went and killed all the dogs? Donc tu veux dire, il a parlé que les chiens noirs sont Satan, c'est Satan, un chien noir, il est le diable, ou bien tu parles d'un cas spécifique là où il est parti et il a ordonné qu'on puisse tuer tous les chiens, il a tué tous les chiens. No, he spoke about black animals in general and specific black. Non. Il a parlé à propos des animaux noirs et spécialement concernant les chiens noirs. Here we go. I believe he's the devil. No, I believe the devil is like a creature, not a creature, but like. Okay. Ah bon, moi je crois que le diable c'est une créature. Bon, pas comme une créature, je veux dire. No problem. This is the hadith, and this is authentic. Ah, attends, le hadith est là, et ça, c'est un hadith authentique. But yet the Muslims now, after they see it, they will say, oh, we've used this one is stupid. Et lorsque les musulmans vont voir ça, ils vont rejeter ça, ils vont dire, non, nous refusons cet hadith, c'est un hadith stupide. Read it. The messenger of Allah said, tu peux lire, on dit, le messager d'Allah a dit, when any one of you stand for a prayer, there are things before him equal to the... Lorsque quelqu'un se tient en prière, pour prier, il y a quelque chose, des choses qui sont égales, pareilles. Back of the saddle that cover him. L'arrière de la selle qui le couvre. And in case there is not before him things equal to the back of the saddle, his prayer would be
cut off, which means the not accepted. Donc sa prière, la prière de cet homme-là qui est en train de prier ne sera pas acceptée s'il y a quelque chose qui est devant lui, comme la selle. On va vous montrer ça en français. By passing off an ass. Donc un âne est en train de passer devant lui, sa prière ne sera pas acceptée. A woman and a black dog. Si une femme passait, ou bien un chien noir, s'il passe devant cet homme, sa prière ne sera pas acceptée. So Muhammad made it clear that three things will disturb and will destroy the Muslim prayer. Donc Muhammad a bien clarifié, il a dit que trois choses vont ruiner la prière des musulmans. Will make it invalid. Il va mettre la prière invalide, sans valeur. The red dog and the yellow dog. No, hold on. Donc, il dit le chien rouge ou le chien jaune, c'est écrit là. You say, don't jump. Then I said. Oh. Non, non, il ne faut pas sauter. On est en train de lire cet hadith. Il dit, et j'ai dit. Okay. Because he said a black dog. He said a black dog. Là, il a parlé de chien noir. And then I said, okay. The guy is asking the narrator, the one Abu Dhar, the companion of Muhammad. Et il a dit, mais cet homme est en train de poser la question à Abu Dhar, qui était un compagnon, un sahaba de Muhammad. Abu Dhar is a person who used to accompany Muhammad so he can eat free food with him. Et ce monsieur Abu Dhar, c'était un monsieur qui accompagnait Muhammad partout pour qu'il puisse manger de la nourriture gratuitement. What is the feature? Yes, that's what it says. Oui, oui, c'est ce qu'on a, c'est écrit. C'est écrit. What is feature is there in the black dog, which distinguish it from the red dog? Because he's wondering why the prophet mentioned the black dog. What about red dog? Il pose la question. Il dit quelle caractéristique qu'il y a dans le chien noir qui le distingue d'un chien rouge? Puisqu'il se pose la question. Un chien rouge, un chien noir, un chien jaune, qu'est-ce qui le différencie? Il se pose la question. What about white dog? What about yellow dog? He said. Qu'en est-il donc des chiens blancs, d'autres couleurs? Et il a dit. Oh my son. Et il dit, oh mon fils. Oh the son of my brother. Il dit, oh le fils de mon frère. I ask the messenger of Allah, as you are asking me. J'ai posé la même question au messager d'Allah, à Muhammad, comme tu es en train de me poser la question. He said the black dog is a devil. What do you... et il a dit, le chien noir est un diable. What do you think about this? Qu'est-ce que tu en penses? He said, oh son of my brother, I asked the messenger of Allah. Il dit, oh fils de mon frère, j'avais posé la même question au messager d'Allah. As you are asking me, comme tu es en train de me poser la même question. And he said, the black dog is a devil. Et il a dit, le chien noir est un diable. Okay. What do you think? Do you think? Maybe this is a metaphor. Qu'est-ce que tu penses? Tu penses à quoi? What do you think? Maybe this is a metaphorical devil. My friend. Bon, peut-être ça c'est un diable métaphorique. My friend, mon ami, qu'est-ce que tu veux dire métaphorique? Friend, I trust you're intelligent. I'm sure you're not a stupid person. Je crois dans ton intelligence. Je pense que tu n'es pas un homme stupide. Is he talking about a dog? He will walk in the street? Yes, right? N'est-ce pas qu'il est en train de te parler d'un chien qui passe sur la route, n'est-ce pas? Yes, he's talking okay. about a so, physical dog. Yes. Oui, oui, il est en train de parler d'un chien physique. Oui, Christian Prince. So, what is the dog which is only the bad one? Is the black dog. So, this is a physical, this is not metaphorical. Donc, et qu'est-ce qu'il définit comme un chien méchant, un chien mauvais? C'est un chien noir. Et ce n'est pas métaphorique, c'est physique, ça. What is the difference between the black dog and the white dog? And quelle est la différence entre le chien noir et le chien blanc, tout ça? The yellow dog, the color. Yeah. Le chien jaune, qu'est-ce qui le différencie? C'est quoi? C'est la couleur, n'est-ce pas? Agree. Okay. Muhammad said the black dog is a devil. Muhammad a dit le chien noir est un diable. On va vous montrer cet hadith promptement en français avant qu'on puisse retourner à Christian Prince. Nous sommes là. On va vous montrer le hadith là. Oh, Jami At-Tirmidhi, numéro 338. Abu Dhar a dit, le messager d'Allah a dit, quand un homme a accompli la salat,
Non, non, on commence par celle-ci. Il dit ceci. C'est Sahih Muslim, c'était la disque que Christian Prince lisait, 510. Abu Dha a rapporté, le messager d'Allah a dit, quand l'un de vous se lève pour la prière, et qu'il y a devant lui une chose égale au dossier de la selle qui le couvre, et au cas où il n'y aurait pas devant lui une chose égale au dossier de la selle, hein, sa prière sera coupée par le passage d'un âne, une femme et un chien noir. J'ai dit, oh Abu Dha, quelles caractéristiques y a-t-il chez un chien noir qui le distingue du chien rouge et du chien jaune? Il pose la question. Et Abu Dha répondit, il a dit, oh mon fils, fils de mon frère, j'ai demandé au messager d'Allah, comme vous me le demandez, la même question. Et il a dit, le chien noir est un. C'est ce que Mohamed a dit. Le chien noir est un diable. Et c'est confirmé même par. L'autre a dit, c'est de Jami At-Tirmidhi 338. Il dit, oh mon neveu, j'ai demandé au messager d'Allah, comme vous me l'avez demandé, et il a dit, le chien noir est un shaitan, le diable. C'est ce que Mohamed avait répondu. On va partir promptement, on va rentrer très vite chez Christian Prince. On va lire les messages des gens qui nous ont envoyés. On continue. C'est Christian Prince. Yes. Okay. How in the world that can be true? That's because he's a black, he's devil? Mais là, comment est-ce que tu peux justifier ça? Puisqu'il est noir, tout simplement, puisqu'il est noir. Donc, tu veux dire qu'il est diable, puisqu'il est simplement noir? But are you saying black people are dogs? Donc, tu veux dire que les noirs, les hommes noirs sont des chiens? My friend, I'm not saying that. I'm saying Muhammad, he considered black color is the color of the devil. Mon ami, je n'ai pas dit ça. Je suis en train de te montrer que Muhammad, lui, considérait la couleur noire comme la couleur du diable. Just because the poor Yes. dog, okay, so you. Tout simplement puisque le pauvre chien est noir. Are you agreeing that a black dog is really a devil just because he's black? Est-ce que tu es d'accord que le chien noir est un diable? Tout simplement pas puisqu'il est noir. I believe that the color of the devil is not red, it's black. Je crois que la couleur du diable, ce n'est pas rouge, c'est noir. So you are agreeing that a black dog is really a devil just because he's black? Est-ce que tu es d'accord avec ça, que il est diable puisqu'il est noir? I believe that the color of the devil is not red, it's black. I believe the devil is a black figure. He's not red with a tail and horn. Okay, hold I on. don't believe that. Why? Je crois que le diable, c'est une figure noire. Il n'est pas rouge, ou bien tout ce qu'on raconte. Why the devil is a black? Maintenant, pourquoi est-ce que tu dis le diable est noir? Because everything is pure is white. Pure is white. Bon, puisque tout ce qui est pur est blanc. Pur, c'est blanc. So you are saying to me you are not a pure now you because you are black you are not pure you are. Donc tu veux me dire que toi, tu n'es pas pur puisque tu es blanc, tu es noir. C'est ce que tu veux me dire. Saying that to me? C'est ce que tu veux me dire? No, I'm not black. You are not a Non, non, moi je ne suis pas noir. black? I thought you are black African. You told me you are African. Tu n'es pas noir? J'ai pensé que tu étais noir, tu étais africain. Tu m'as dit que tu étais africain. Yeah, I'm African. Black is a color. This is I'm not a color. Je suis un africain, je ne suis pas noir. Noir, c'est une couleur, je ne suis pas une couleur. I'm brown. Oh, Black, if okay. you. Je suis brun. You're the black? I thought you were black African. You told me you're African. Yeah, I'm African. Black is a color. This is I'm not a color. I'm brown. Oh, Black, if you okay, want me to guys, be he is not black, a color, and but I look, okay. huh? Ah, vous entendez ce qu'il dit? Il dit qu'il n'est pas un, il n'est pas une couleur. Il est brun. Okay, but the devil is a person too, and Mais le diable est une personne aussi. the dog is a creature, so he's not a color too. But Muhammad, Et le chien noir, c'est une créature aussi. I
divine him as devil by his color, by the color of his fur. Maintenant, Muhammad dit que le chien noir est diable juste à cause de la couleur de ses poils. Il dit qu'il est diable. Actually, under the fur, not necessarily he is black. So the fur, the hair of the dog, made him the devil for Muhammad. Don't... Et d'ailleurs, en dessous du poil d'un chien, il n'est pas noir. Il n'est pas diable. Maintenant, pour Muhammad, lui, il définit que noir, c'est diable. Don't you think that this is because a man is racist and he hates black people? Ne penses-tu pas que ça, c'est puisque cet homme est raciste et il n'aime pas les noirs? How would he be racist when he came on the last sermon and said there's no superiority? Okay. Bon, maintenant, comment est-ce que toi tu vas dire qu'il était raciste lorsqu'il était venu et l'a donné le dernier sermon qu'il n'y a pas de supériorité entre un arabe, un rouge, un noir, tout ceci? Il dit que il n'y a pas de mérite, il n'y a pas de supériorité pour un non-arabe sur un arabe, ni du rouge sur le noir, ni du noir sur le rouge, si ce n'est que par la piété. C'est ça le critère de noblesse. Il dit, le plus noble auprès d'Allah est celui qui fait la piété, la taqwa. On va rejouer. How would he be racist when he came on the last sermon and said there's no superiority between a non-Arab, all right, a black and a black? That is a fabricated hadith. You are the one. I just gave you a hadith. And dans cet hadith, il n'y a pas de supériorité entre le noir et le blanc, tout ça. You said to me, this is da'if, but that hadith is da'if too. Mais cet hadith-là que tu es en train de citer, c'est un hadith qui n'est pas authentique. Ça n'a jamais été authentifié. Je t'ai donné un hadith là, tu devais poser si c'était authentifié. Mais ce que tu dis là, il n'y a pas de supériorité entre tout ça. Ce n'est pas un hadith qui est authentifié. Bon, ok. Comme j'avais dit, je vais vérifier ça sur Internet. Je n'ai jamais entendu à propos des hadiths que tu es en train de me parler, dont tu es en train de me parler. But you see, j'ai vérifié ça sur Internet. The hadith you just quote me, it is not, cannot be true, because simply is not mentioned in any of the Sahih books, number one. Le hadith dont tu me parles là, il n'y a pas de supériorité entre le rouge et l'arabe, tout ça. Ce n'est pas un hadith authentique. De un, d'abord, puis ça ne parle pas, et puis ça ne mentionne aucun des livres, des six livres, qui sont des hadiths authentiques. Ça ne mentionne aucun livre. No, we cannot find it in any Sahih book. This hadith about the last sermon, cette histoire-là, le hadith là à propos du dernier sermon, on ne peut pas trouver ça dans aucun des livres authentiques. This is a fabrication about the black and the white are equal. That's a lie. Ça, c'est une fabrication. C'est un mensonge concernant ce que le dernier sermon, qu'il y avait le blanc qui était l'arabe qui était égal à celui-là. C'est une fabrication. And isn't it Muhammad, he said, you know, he made fun of the Ethiopian African. N'est-ce pas Muhammad qui se moquait à propos des Africains éthiopiens? Did he make fun of them? Yes. Okay. Oui, est-ce qu'il se moquait il se moquait de lui, de? An African? Oui. Did he make fun of them? Yes. Okay. Oui. Okay. So how he is a person who don't discriminate and there's no difference between them, and then he made a fun from the look of a human being. Maintenant, comment est-ce que tu dis qu'il ne différenciait pas, il ne faisait pas de différence entre eux, et maintenant il vient, il commence à se moquer à propos de l'apparence d'un être humain? Who is just because an African, he make of him, says, obey your chief. Et il dit que, il se moque de lui, puisque tout simplement puisqu'il est Africain, il dit, obéissez votre chef. Because Muhammad, he hired African people to be, they are slaves still, they are slaves. Et Muhammad est en train d'utiliser le noir, il est en train de le louer comme ses esclaves. So they are very good in fighting, they have a very strong body. Donc, et les noirs étaient tellement bons dans les combats, ils ont un corps solide. So he made them chief of the fighters just only in that day. Et il a fait d'eux
Ils sont devenus donc des commandants, des chefs, juste pour le combattre, pour ce jour-là. Il les a fait des chefs. And those white Arabs, they say, oh, the black man, he will be a leader. He's... Et ces Arabes-là, blancs, ils ont commencé à dire, est-ce qu'un homme noir sera notre dirigeant, il va nous diriger? They've listen to him, obey him, even if his head is a rising head. Do you see it? Et Muhammad dit, vous devez écouter cet Éthiopien noir, vous devez l'écouter même si sa tête ressemble à la tête d'un raisin. Est-ce que tu vois ça? Yeah, raising head. Okay. Yes, I heard of this. Ah oui, la tête de... Oui, j'ai entendu parler de ça. So I read this before. Okay, yes. Oui, j'ai déjà entendu parler de ça avant. In the world, this is a prophet of God. Mais là, comment est-ce qu'un prophète peut parler comme ça? Rapidement, on va vous montrer ça. On va vous montrer ça en français pour l'audience francophone. D'abord, le hadith dont le frère est en train de parler, il n'y a pas de supériorité entre le noir, tout ça, les arabes, tout ça, c'est Alice dont il parlait. Jabir ibn Abdallah, le prophète, a dit dans ce dernier sermon, « Oh, vous les gens, certes, votre Seigneur est unique, certes, votre Père est unique, il n'y a pas de mérite pour un arabe sur un non-arabe, ni pour un non-arabe sur un arabe, Ni du rouge sur le noir, ni sur le rouge sur un arabe, tout ça, si ce n'est par la taqwa, donc la piété. Celui d'entre vous qui est le plus noble au plat, et celui qui a la taqwa, la piété, c'est transmis, et cela est rapporté dans le livre rapporté par Al-Bayyaqi est authentifié par Sheikh Albani dans Silsila Sahiha. C'est un livre qui n'est pas authentique et qui n'est pas accepté par les musulmans. Il y a 6 livres de hadith. Là, c'est un autre sujet. On continue avec l'autre hadith rapidement. Donc, Christian Prince est en train de parler. Alors, c'était cet hadith de Sahih Bukhari numéro 693, rapporté par Anas ibn Malik. Le prophète a dit, écoutez et obéissez à votre chef, même si un Éthiopien dont la tête, c'est un Éthiopien dont la tête est comme un raisin sec, s'il était votre chef. Alléluia. Et écoutez et obéissez à votre chef, et si un Éthiopien est utilisé comme si sa tête est un raisin sec. C'est ce d'Ali. On retourne à Christian Prince. On retourne à Christian Prince rapidement. Juste une minute. Christian Prince est là. On va projeter. Because in actuality, the Arabs were ruled by Africans. Ah bon, puisque réellement, les Arabes, ils étaient conquis. Ils étaient dominés par les Africains. OK, but the Arabs are ruled by African. When this happened? Attends. Qu'est-ce que tu dis? Les Arabes, ils étaient dominés, ils étaient dirigés par les Africains? Cela, c'est arrivé quand? Quand est-ce que c'est arrivé? The Moors were black Africans and they ruled over there. Who is the Moors? Who is the Moors? I never heard of them. Who is... Les Moors, les peuples Moors, ils étaient en train de diriger, ils dominaient donc. And they ruled over there. Who is the Moors? Who is the Moors? I never heard of them. Who is the Moors? Les Moors, c'est qui? Tu parles de qui? Je n'ai jamais entendu parler de ça. I never heard of this. The Moors. Who? The Moors is the Moorish from Morocco. Les Moors. Le mort, le peuple maoriche, le mort du Maroc. They ruled Spain for 800 years. They were slaves. My friend. Ils avaient dirigé l'Espagne pendant 800 ans. My friend, those are the white Arab, those are not the African, those are... Ça, ce sont les Arabes blancs. Ce n'étaient pas les Africains. The Arabs who came, Tariq ibn Ziyad, who is Tariq ibn Ziyad? Go ahead. Qui est Tariq ibn Ziyad? Check, my friend, what are you talking about? Those are the white Arab, those are not the African.
Là, ce sont les Arabes blancs, ce n'étaient pas des Africains. Those are the Arabs who came. Là, ce sont les Arabes qui étaient venus. African. Those are the Arabs who came. Tariq ibn Ziyad. Who is Tariq ibn Ziyad? Go and check. Tariq ibn Ziyad. Qui est Tariq ibn Ziyad? Tu peux aller vérifier ça. Friend, what are you talking about? The more and actually now, actually, actually, until now, the Moroccans are not considered as black or even African. Jusqu'à présent, tu peux aller vérifier. Les Marocains ne se considèrent pas comme s'ils étaient des Noirs, comme s'ils étaient des Africains. Ils ne se considèrent pas comme ça. They are considered as a race as white. No, not only. Ils se considèrent comme s'ils étaient comme une race, comme s'ils étaient des Blancs. Now. Because those people actually, if you go to Morocco and Tunisia, you will see people who they are totally still blonde. They have. Si tu pars au Maroc et en Tunisie, tu vas voir des gens qui sont encore des Blancs, qui sont donc des Blondes. The green eyes, blue eyes, what are you talking about? Ils ont des yeux verts, des yeux bleus, des yeux bleus. Tu parles de quoi? Listen, 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 You're listen, right. listen. Okay, listen, I listen. told you I'm a student of history. I know why they became white. Attends, je t'ai dit que j'étais un étudiant de l'histoire. Je sais pourquoi ils sont devenus blancs. Because the slave trade from the west part of Africa took the Moors with them. Oui, puisque la traite négrière, le commerce des esclaves qui se trouvait dans la côte ouest de l'Afrique, a pris le peuple maure et les a amenés. 30% of the American slaves were Muslims. Et 30% des Africains, des esclaves africains qui étaient en Amérique, des Noirs, 30% d'entre eux étaient des musulmans. My friend, C'était des peuples morts. You are deceived. You are deceived. The one who was buying and capturing the slaves, the one who was buying the slaves was the white man in Europe, but the one who was capturing them is North Africa. They are in control until now. Attends, mon frère, on t'a menti. L'esclave, la traite négrière se faisait comme ça. Les Européens, eux, achetaient les esclaves. Mais les gens qui partaient attraper les esclaves pour vendre ces esclaves, c'était les gens du nord de l'Afrique. Jusqu'à maintenant, jusqu'à présent, ils continuent à pratiquer ça. Since then, they are in control of all the shore. That's not true. Ils étaient en contrôle, les gens du nord de l'Afrique, ils étaient en contrôle de toutes les côtes de l'Afrique. I'm a Okay. student of history. Who is Ah, ça, c'est pas vrai historiquement. the one in control of Morocco? Qui est celui qui contrôle le Maroc? Muslims or Christians? No. C'était les Africains, c'était les musulmans ou bien les chrétiens. No, before, in the time of slavery, this is a barbarian country. Dans le temps de l'esclavage, là, qui contrôlait ça? And then the Arab came and they forced them into Islam. Hein? Ça, c'était un peuple qui était barbare. Et les musulmans sont venus, ils ont forcé l'islam sur ce pays. So stop fooling yourself. And the one is in charge. Non, non, Donc arrête de te tromper. Et ceux qui dirigent là, Are they okay? Are they The okay? The one you call them Moors, are they Muslims or Christians? les gens que tu appelles les morts, sont-ils chrétiens ou bien sont-ils musulmans? Now you agreed they are Muslims. Tu es d'accord qu'ils sont musulmans? Un petit rappel, Christian Prince parlait de Tariq ibn Ziyad, juste pour être sur la même page que lui, juste un petit rappel. C'est celui qu'on appelle Tariq ibn Ziyad. Là, ce sont ces photos. Il y a beaucoup de photos. On va partir. Juste un petit rappel historique. Les gens qui contrôlent le Maroc. Tariq ibn Ziyad. Tariq ibn Ziyad, celui qui avait lancé l'attaque des musulmans sur l'Europe. Ils sont là. Tariq ibn Ziyad, c'est ça son nom. Celui qui dirigeait le Maroc. Tariq ibn Ziyad. C'était en 711-718. Tariq ibn Ziyad. Et même le détroit de Gibraltar qui sépare l'Europe et l'Afrique, ça a été nommé dans son honneur. On a donné ça comme si c'était Jabal Tariq, la montagne de
Tariq ibn Ziyad. Donc, juste une minute, on veut être sur la même page que Christian Prince. Il faut que les gens aient la connaissance. Gibraltar, les détroits de Gibraltar, le nom des détroits de Gibraltar. Ça vient de Jabal Tariq, la montagne de Tariq. Le nom est dérivé de l'arabe montagne de Tariq. Jabal Tariq, alors, c'est ce qu'on appelle détroit de Gibraltar. C'est une pièce de terre qui sépare le. Ok. On retourne très vite à Christian Prince. On voulait être sur la même longueur d'onde avec Christian Prince. Très vite, bon. Très vite, là, Christian Prince. Because all the market, okay, all the market of slavery was captured by Muslims and then sold to the white man, correct? Donc, tout le marché d'esclaves était dirigé par les musulmans qui attrapaient les esclaves et qui les vendaient aux Européens. Right? N'est-ce pas? No, wrong. Non, 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 c'est faux. What do you mean? No? You are the one who just said to me that the one who controlled Morocco is Muslim. Qu'est-ce que tu dis? C'est faux. Mais c'est toi qui viens de me dire que les gens qui contrôlaient le Maroc, c'était les musulmans. Islamic Empire came with the swords out. Was on... l'empire islamique est venu dans l'attaque là-bas. The conquest of the Islamic conquest to Morocco. Pendant la conquête islamique sur le Maroc. They freed them from the Byzantine. They kicked the Byzantine Empire out. Ils les ont libérés des Byzantins. Ils ont chassé, ils ont débouté, ils ont chassé l'empire byzantin du Maroc. The Moors started controlling their land. Et les Maures avaient commencé à contrôler la terre, leur terre. They became kings. They became rulers. Et ils sont devenus des rois, ils sont devenus des dirigeants dans ce pays, les Maures. Name for me one king. One king, he was from them when the Arab invade them. Est-ce que tu peux me donner un seul nom d'un seul, un seul mort qui était dirigeant ou bien roi lorsque les Arabes étaient là? I'm sorry, one more time. You said, est-ce que tu peux répéter ta question? You said they became kings. Until now, we can't find one king who ruled them because the king of Morocco, even now, he is supposedly descendant from Muhammad. So, maintenant, est-ce que tu peux me donner un seul nom d'un un seul roi ou bien un dirigeant qui les avait dirigés à cette époque-là, qui avait dirigé les Arabes, qui venait de là? Puisque jusqu'à présent, même le roi du Maroc, il se considère comme s'il était descendant de Muhammad. Cela veut dire que c'est un Arabe, d'après ce que lui dit. You said they became kings. Until now, we cannot find one king who. Tu as dit qu'ils étaient devenus des rois. On ne peut pas trouver même un seul. Rule them because the king of Morocco, even now, he is supposedly descendant from Muhammad, so he's an Arab. What? Donc il dit qu'il est un descendant de Muhammad, donc c'est un Arabe. What are you talking about? Mais là, tu parles de quoi? I'm talking about the Moors, my friend. Non, je suis en train de parler de Moors, les peuples Moors. Friend, none of them became a king because the Arab took over. Personne d'entre ces gens-là qui venaient de là était devenu roi puisque ils avaient tout pris, ils dominaient partout. I'm saying to you, name for me one king from those you call them Moors, which I never heard of them. Est-ce que tu peux me donner le nom d'un seul roi qui était mort? Je n'ai jamais entendu parler de ça, de ce que tu dis. Tu veux me donner le nom d'un seul qui était devenu roi? I don't know what the name you're talking about. Name for me one of the kings of the Moors. He is a king after the Arab took over. Tu veux me donner le nom d'un seul parmi ces Moors qui était devenu roi après que après la conquête arabe? Mansa Musa. Oui. This is a Moors. Which year he was a king? Tu veux dire, c'était un mort? Et en quelle année il était roi? In 1342. Dans l'an 1342. 1342? 1342? Yeah. So,
All this time it took him to be a king, but this is but isn't it this is the one Donc tu veux dire que ça a pris toutes ces années ici pour qu'il puisse devenir roi dans 1342 pendant que la conquête se faisait au 7e siècle? Okay, hold on. Okay. Is he descendant from the prophet? Est-ce que ce Mansa Musa est-il descendant du prophète Muhammad? Is he a descendant from the prophet? I don't care. It doesn't matter. Ah, je m'en fous de qui il est descendant. Donc. Oh, he is African, but he is descendant from the prophet. The prophet is. Donc, tu veux dire qu'il est africain? Maintenant, il vient de, il est descendant de Muhammad? Okay. Is he descendant from the prophet? Is he a descendant from the prophet? I don't care. Ah, je m'en fous même s'il n'était pas descendant de Muhammad, si tu poses la question comme ça. So, how he is African, but he is descendant from the prophet. The prophet is a white Arab. Maintenant, comment est-ce qu'il est africain et il est descendant de Muhammad? Mais tandis que Muhammad, lui, c'était un arabe blanc. Hein? He is descendant from the prophet. The prophet is a white Arab. No. Okay. No. Do you know that in certain time, Islamic countries, Arab white people, they have more black people, more than white in their countries as slaves? Est-ce que tu sais qu'il s'était passé dans quelques années, là où les peuples, les pays musulmans avaient beaucoup plus d'habitants qui étaient noirs, et ces noirs-là étaient des esclaves? Yeah, you're talking about the East African slave trade, yes. No. Tu parles de la traite négrière de l'Afrique de l'Est, oui. No. I'm talking about specifically Muslim country, and this is not Africa, actually. Non. Je parle spécialement des pays musulmans, et je ne parle même pas de l'Afrique. This is even the Caliphate Iraq. This is when the Caliphate was in Iraq. Je parle du califat, lorsque le califat était en Irak. So, the you can search it right now. The revolution of Azinj. Actually, I can search it for you right now, put it on the screen. Tu peux même chercher ça, la révolution ou bien la rébellion des Zinj. Je peux même chercher pour toi et mettre ça dans l'écran maintenant. Where Azinj? Let me look it up. Azinj. Revolution of Azinj. Is this an American name or? Azinj. Okay, je vais chercher ça. Donc, c'est un nom américain ou quoi? Azinj is a word meaning the Negro. Excuse my language. Le terme Zinj, ça veut dire les nègres. Je m'excuse de mon langage. Revolution of AL or EL? I will find it for you. Révolution ou bien la rébellion, la révolte de Zinj. Comment est-ce qu'on écrit ça? Non. Attends, je vais chercher ça. Je vais poster ça sur l'écran pour que tout le monde puisse voir. Attends. C'est que je voulais te montrer, te parler, tout ça, comme tu sais. You on the screen. Beans bought Gambian River. They never even went to the Arab. Ils sont même pas partis dans le monde arabe. My friend. So, non, mon ami, attends, il ne faut pas changer de topic, il ne faut pas changer de thème. Oh, look what happened. It's the same topic. No, okay, hold on. The Zinj Revolution. Ah, ça, c'est le même thème. Regarde, là, on parle de la rébellion des Zinj. So, you said that the Muslims, they freed the Africans, right? This is which year? Donc, tu dis que les musulmans étaient partis pour libérer les Africains. Là, c'est en quelle année? C'était en quelle année? This is in the year. Morocco. Let's see the conquest of Morocco when no. It was. Dans la conquête du Maroc, c'est en quelle année? Okay, so no, listen. The revolution of the Zinj. Which year? 869-883. Donc là c'est la révolution, la rébellion des Zinj. C'était en quelle année? C'était dans l'année 869 jusqu'en 883. Population of the black people in Iraq became way more than the population of the white Arab in Iraq. Donc la population des noirs, des esclaves noirs, était devenue plus que la population des Arabes en Irak. Et il y a eu une rébellion. Which means every Arab Muslim, he have tons of black slaves. Donc cela veut dire que chaque Arabe musulman
avait donc un grand nombre, un grand groupe de ses esclaves qui étaient tous des Noirs. Donne-moi une seconde, je vais lire ça. Some enslaved Bantu. Oh, this is the Bantu tribe. Ah, donc ça, je vois, on parle du peuple Bantu. Il y a le peuple Bantu. Attendez, on va vous montrer ça en français. On va retourner à Christian Prince. Rapidement, pour que nous soyons sur la même page. Nous sommes là. Là, il était en train de parler de Mansa Musa. Mansa Musa, celui qui était dirigeant, qui était devenu un roi. Il voulait dire qu'il était mort. Le peuple mort dont il est en train de parler, ce sont les peuples morts. Les morts. On désigne les habitants musulmans arabo-berbères, médiévaux, de l'Ibérie, de la Sicile, Sicile, Malte, Maghreb, l'origine durant l'Antiquité. Les populations noires, tout ça, l'Afrique du Nord, tout particulièrement du Maghreb. Ce sont les peuples morts dont il était en train de parler que Mansa Musa était venu de là. C'était un roi du Mali. C'était un roi qui était musulman, l'un des gens qui avait dirigé l'Afrique, Mansa Musa. Et ça, c'est la photo de Mansa Musa. Il y a plusieurs effigies de Mansa Musa. Maintenant, nous sommes là à la rébellion de Zinj, ce que Christian Prince est en train de montrer, Zinj Rebellion, lorsque les Noirs étaient devenus un grand nombre. C'était enslaved Bantu, Bantu speaking. C'était le peuple Bantu. Ce sont les Africains, les Bantu. Là, en français, on a cet article-là. Donc, l'article-là, la rébellion des anges. La rébellion des anges. Des Zinj, qu'on appelait les Zinj, c'était un soulèvement majeur contre le califat abbasside qui s'est déroulé de 869 à 883 dans la ville de Bassora, et du sud de l'actuel Irak. C'était dirigé par l'actuel Irak. On va retourner très vite à Christian Prince, puisqu'on voulait être sur la même longueur d'onde pour que les gens puissent comprendre l'audience francophone. OK. OK, I can tell you, see, East African, that means it came from the East. You know who the Bantu tribe is? The Bantu tribe was an East African tribe. My friend. Attends. Tu sais, ça parle à propos de l'Est de l'Afrique. On parle de peuple Bantu. Est-ce que tu comprends? Tu connais qui sont les Bantu? C'est le peuple qui demande. Attends, mon ami. My friend, with my respect, what African? This is an Iraq, my friend. Mon ami, avec tout le respect que je te dois, tu parles d'Afrique. Ça, c'est quelle Afrique? Oh, ici, nous sommes en Irak. Cette histoire parle de l'Irak. How those people they are in Iraq? Comment est-ce que ces gens se sont retrouvés en Irak? Comment est-ce que ces Bantous, ces Noirs, se sont retrouvés en Irak? You see the coast of East Africa, man. My friend. Bon, tu vois la côte est africaine. My friend, this is Iraq. How the African became in Iraq? Mon ami, comment est-ce que les Africains se sont retrouvés en Irak en si grand nombre? Those are slaves. They are captured. C'était des esclaves. Ils étaient capturés. Slaves. They are captured. Originally been captured from the East Africa. No problem. Ils étaient capturés à partir de l'Afrique de l'Ouest et de l'Est. Who cares where they are coming from? They are African slaves. Is that correct? Peu importe. Tout ce que nous savons, ils étaient des esclaves. Et ils étaient vendus comme des esclaves. Ils venaient de l'Afrique. Okay. Why the Muslims? You said to me, the Muslims, they freed them from the Byzantines. Maintenant, comment est-ce que toi, tu dis, les musulmans les avaient libérés des Byzantins? Maintenant, comment est-ce que les musulmans... But the Muslims did not free anyone. They did not. Les musulmans, non, ils n'avaient pas libéré ces gens. Ils n'avaient libéré personne. Because they made you slave again. Puisqu'ils les avaient fait esclaves encore. The Egyptian... No. Okay, hold on. Les Égyptiens... Attends. Okay, listen. Attends, écoute ce que je dis. Let's not waste our time. Did Muhammad own slaves? Il ne faut pas perdre mon temps.
Est-ce que Mohammed avait des esclaves? Avait-il des esclaves? Yes, Mohammed owned slaves. Yes. Oui, Mohammed avait des esclaves. Okay. Did he free them? Est-ce que il avait affranchi? Avait-il libéré les esclaves? Did he free them? Some of them. Affranchi? Oui, oui, quelques-uns parmi ces esclaves, il les avait affranchis. Name a slave Mohammed he freed. Do you know the guy's name is Bilal? Est-ce que tu peux me donner le nom d'un seul esclave que Mohammed avait libéré? Est-ce que tu connais un esclave qu'on appelait Bilal? I do know Bilal, yes. Oui, je connais Bilal. Okay, did Mohammed free him? Est-ce que Mohammed avait libéré, avait-il affranchi Bilal? Did Mohammed free him? I'm not sure if he did. I know he said. Bon. Tu me poses la question, si Mohammed l'avait affranchi, s'il l'avait libéré, je ne suis pas sûr. Tout ce que je sais, Mohammed avait dit. I'm not sure if he did. I know he said he hears his footsteps ahead of him in heaven. Ah, tout ce que je sais, Mohammed avait dit qu'il avait entendu les pas de Bilal dans le ciel, devant Mohammed. So that's okay, well, here we go. Bilal, after the death of Muhammad, he came to Abu Bakr because he is the. Non, attends, tout ça. Ça, c'est-à-dire, ici, c'est après la mort de Muhammad. Muhammad est parti voir Abu Bakr. Et il a commencé à parler. The one who bought him. And he said to him, he gave him as a gift. He said, here we go. Bilal, after the death of Muhammad. Après la mort de Muhammad. He came to Abu Bakr because he is the one who bought him. Il est parti voir Abu Bakr, puis c'est Abu Bakr qui l'avait acheté. And he said to him, he gave him as a gift. Et Abu Bakr l'avait donné comme un don. He said to him, Bilal said to Abu Bakr. Et Bilal dit à Abu Bakr. If you have bought me for yourself, then keep me for yourself. Si tu m'as acheté pour toi-même, alors garde-moi pour toi-même. But if you bought me for the sake of for Allah's sake, then leave me for Allah's sake. Mais et si tu m'as acheté pour la cause d'Allah? Alors, tu dois me libérer, tu dois me laisser pour la cause d'Allah. So the guy, he spent his life, he converted to Islam, they forced him to work as a slave. Et voyez, cet homme ici, il a passé toute sa vie, on l'a forcé à devenir musulman, et on l'a converti à l'islam par force. He is the good sir, but if you bought me for the sake of for Allah's sake, then leave me for Allah's sake. So the guy, he spent his life, he converted. Il a passé toute sa vie. Converted to Islam, they forced. Il s'est converti à l'islam. So the guy, he spent his life, he converted to Islam. They forced him to work as a slave. On l'a forcé à travailler comme un esclave. Ça c'est une correction. On l'a forcé à travailler comme un esclave. His life, he converted to Islam. They forced him to work as a slave. He is their servant. He is the first one to do adhan. Et il est leur serviteur. Et il est le premier à faire le adhan. As a slave, he is their servant. He is the first one to do adhan because the white Arab they will not do that. So they use. Et il est le premier à aller faire les azan, l'appel à la prière, puisque les Arabes blancs ne pouvaient pas faire ce travail-là. The black slave to force him to do the adhan, very hard job. Et on l'a forcé à faire les azan, un travail qui est très dur. On l'a forcé. They use the black slave to force him to do the adhan, very hard job, to go early morning, screaming, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Abu Bakr never did it. Omar. On l'a forcé à aller crier chaque matin, Allahu Akbar, Allahu Akbar. On l'a forcé. Screaming, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Abu Bakr never did it. Screaming, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Abu Bakr never did it. Omar did not do it. Why not do that? So they. Donc on l'a forcé à aller dire le adhan chaque matin. Abu Bakr ne pouvait pas faire ce travail-là. Omar ne pouvait pas faire ce travail-là. They used the black slave to force him to do the adhan, very hard job, to go early morning, screaming, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Abu Bakr never did it. Omar did not do it. Muhammad did not do it. Abu Bakr n'avait jamais fait ce travail-là. Omar n'avait jamais fait ce travail-là de faire les azan. Même Muhammad lui-même n'avait jamais fait ce travail-là de azan. Why are they not black now? If that's the case, then why are the people giving the adhan? Is the first time. Mais maintenant, comment se fait-il que c'était noir? Puisque
La première personne à faire le azan là, Christian Prince, attends. The first, hold on, because now they don't have a slaves anymore. They... Attends. Et comment est-ce que les gens qui font les azan, ce sont les Arabes, tout ça? The first, because now they don't have a slaves anymore. They... Puisque maintenant ils n'ont plus d'esclaves, ils n'ont pas ce droit-là. No, the people are free. The European, the European, they are the one who forced them into freedom until now. Ah oui, ils n'ont plus d'esclaves, puisque les Européens les ont forcés à laisser l'esclavage. Ce sont les Européens qui les ont forcés à abandonner l'esclavage. The one who forced them into freedom until now in some areas. Même jusqu'à présent, il y a certains coins de ce pays-là où il y a des esclaves. In some areas. Il ne faut pas dire les Européens les ont forcés. Il ne faut pas dire ça. Hold on. Les Britanniques. Attends. Hold on. Until now, the kings of Saudi Arabia, they have slaves in their harem. Jusqu'à présent, le roi de l'Arabie Saoudite, ils ont des esclaves dans leur harem. You can go right now and check about the harem of the Saudi Arabia. They kidnap women from Bosnia. Tu peux aller chercher ça même maintenant. Tu peux aller vérifier. Ils ont les harems là où ils sont en train de capturer les femmes qui viennent de la Bosnie. They kidnap beautiful women, but now the slaves are for the white. They like white women. They don't. Ils ont des esclaves. Pour le moment, ils aiment les blanches. Pour le moment. But they don't want the black. So. Ils ne veulent pas les noirs. No, there's not now. It's always been a different. Only it only became color specific with. My friend. Non, ça a toujours été. C'est pas comme ça, comme tu as traduit. Ce n'est pas donc à propos de la peau. Don't change the topic. Forget about the Arab. I am an Arab now. Non, mon ami, il faut pas changer de thème. Il faut pas changer notre thème. Hein? Ne parle pas des Arabes. Moi, je suis arabe. Moi qui te parle. I am an Arab now. I'm asking you why Muhammad did not free his slaves. Je suis un arabe et je te pose la question. Pourquoi est-ce que Muhammad n'avait pas libéré, n'avait-il pas affranchi ses esclaves? Why did Muhammad not free? He did free some slaves. Tu me poses la question s'il avait il n'avait pas affranchi quelques. Oh, mais Muhammad avait affranchi quelques esclaves. What are you talking about? Tu parles de quoi? Well, if who is more important than Bilal? Quel esclave était plus important que Bilal? I mean, did Bilal ask for when he told Bilal? Est-ce que Bilal avait-il demandé d'être affranchi? You would beat me into heaven. Bon, lorsqu'il avait dit à Bilal que toi, Bilal, tu vas entrer devant moi dans le ciel, tu vas me battre dans le ciel, donc me devancer. You would beat me into heaven. What does that mean to you? Lorsqu'il dit à Bilal, tu vas me devancer dans le ciel, qu'est-ce qu'il dit? Beat me in my heaven, but you are cleaning my underwear. You are beat me in my heaven, but you are cleaning my underwear. Ah. Donc, tu veux dire, il lui dit qu'il va me le devancer. Il dit à Bilal, tu vas me devancer dans le ciel, mais tu nettoies mes sous-vêtements maintenant. No, did he was blank? Show me blank. My friend. Est-ce que tu peux me montrer là où on a écrit que Bilal était en train de laver les sous-vêtements de Muhammad? Tell he is a slave. Okay, what? Un esclave, c'est un esclave. Hi, Muhammad. Okay, hold on. Est-ce que tu peux me montrer là où on a dit que Bilal était en train de laver les sous-vêtements? Who is his servant? He is the servant. Mais là, qui est le serviteur? C'est Bilal qui était le serviteur. What servant do? No. Les serviteurs font quoi? No, Bilal is not the servant. So, Bilal n'était pas un serviteur, Christian Prince. What is he? Bilal c'était qui? Bilal was the giving the adhan. Ah, Bilal, lui, il faisait l'appel à la prière, le azan. This is one of the things he ordered him to do, the adhan. Do you want to show that they ordered him? Là, c'est l'une des choses qu'on lui avait dit de faire, puisqu'on l'avait ordonné. On l'avait forcé à faire le azan. Tu veux que je puisse te montrer là, on l'avait ordonné? En attendant, on va vous montrer cet hadith qui est dans l'écran en français. Ça, c'est pour notre audience francophone. L'audience francophone, on va vous montrer le hadith.
pour être sur la même longueur d'onde que Christian Prince. Ça, c'est Sahih Bouhari, numéro 3755, rapporté par Abu Qais. Bilal a dit à Abu Bakar, si tu m'as acheté pour toi, alors garde-moi pour toi. Mais si tu m'as acheté pour toi, ou bien tu m'as acheté pour l'amour d'Allah, puis dit, laissez-moi pour l'œuvre d'Allah. Hein? Il dit, si vous m'avez acheté pour vous-même, alors tenez-moi, gardez-moi. Et si vous m'avez acheté pour Dieu, alors laissez-moi aller faire l'œuvre de Dieu, si Dieu m'a acheté pour lui. Ça, c'était en français. Et Christian Prince était en train de parler de Sahih Bouhari numéro 605 pour montrer que Bilal était, on l'avait ordonné à faire ça. Il ne faisait pas ça de bon gré. C'était un ordre. Rapporté par Anas ibn Malik, Bilal a reçu l'ordre, c'était un ordre, de répéter deux fois le libellé de l'adhan, le azan, pour les prières, et de prononcer le libellé de l'ikama une fois, sauf kadkama al-silat. Donc ça, c'était le Bilal, ils l'ont ordonné, il avait été ordonné de faire ça. Alors, on continue vite chez Christian Prince, un retour. Rapidement, Christian Prince, nous sommes là. Okay, they ordered it. They told him to go give it to them because he My got friend, the my food. friend. Dans l'ordre qu'on lui avait donné, on lui avait ordonné d'aller faire les azans. I Does it understand say that. in the I'm front of saying. you? Are you stubborn just to want to talk? Are you just a stubborn you want to talk? Est-ce que, bon, tu es tête dure ou quoi? Ou bien puisque tu veux juste parler, est-ce qu'on a dit ça devant toi? Does it say that No, Bilal, you made a claim. does You made a it, claim and said I made a claim Bilal and would be proven it. underwear. Oui, Christian Prince, puisque toi tu as dit que Bilal était en train de laver le sous-vêtement. Oui, j'ai dit ça, je veux prouver ça. Bilal, so this is what servants do. Why you need servants? Oui, c'est ce que font les travail, c'est le travail que font les serviteurs. Que font les serviteurs? No, show me. He said, Ok, "Let's see his who underwear." is the one who is Est-ce que tu peux me montrer là, on a dit que Bilal était en train de laver les sous-vêtements. No, show me. He said, Ok, "Let's see his who underwear." is the one who is washing the underwear for Muhammad if it's not Bilal? Est-ce que tu peux me dire qui lavait les sous-vêtements de Muhammad si ce n'était pas Bilal? Aisha. Aïcha? Aisha, hein? Aisha have slaves Yeah. too. Tu veux dire Aïcha? Mais Aïcha, elle aussi avait des esclaves. But Aisha, she have slaves. Aïcha avait aussi ses esclaves. But then why is she washing clothes then? If what you're saying Okay, is so not. alors, mais pour laver les habits, comme ce que tu dis. What the slaves of, what the Then why slaves, did what Aisha the wash the slaves clothes of Aisha if they it's the do? same? What is the slaves of Aisha they do? Quel travail faisaient les esclaves d'Aïcha? Qu'est-ce qu'elle pouvait faire? If Aisha is washing the slave, what they do? Si Aïcha était en train de laver les sous-vêtements de Muhammad, quel travail feraient les esclaves? Maybe you're saying if like it didn't happen. You're Tu as dit si cela était arrivé, comme tu as dit si. saying I'm Aisha never asking washed you, clothes. I'm asking you what the slaves they do in the house of Aisha. Why Je te pose la question, quel travail faisaient les esclaves dans la maison d'Aïcha? she have even slaves? You just said, you just agreed that Aisha she have slaves, right? Why Et tu es d'accord même que Aïcha avait des esclaves. she have slaves if they are against I'm slavery? not Maintenant, qu'est-ce que Aïcha faisait avec les esclaves si eux étaient contre l'esclavage? Not sure about that, but I know the prophet did. Ah, je ne suis pas sûr à propos d'Aïcha, mais ce que je sais, c'est Mohammed avait des esclaves, le prophète. So, in terms, if What? he had some, then she had some. So, My we friend. can. À propos de si lui avait, il avait quelques esclaves, et Aïcha avait quelques esclaves. Well, sir, My it was friend, his. even the prophet, when somebody he free his slave, he forced them into slavery again. D'ailleurs, votre prophète, lui, même lorsque quelqu'un était en train de libérer et d'affranchir son esclave, Muhammad prenait cet esclave-là et puis il le revendait pour le ramener encore dans l'esclavage. And the Quran confirmed that you have the right to attack people and force them into slavery. Et même le Coran confirme très bien que tu as le droit d'attaquer un peuple et de le réduire à l'esclavage. And even the Hadith says, hold on, here we go.
The hadith says, is that wrong to you when taking war captives as slaves? Donc, tu veux dire que c'est mauvais de prendre donc les captifs de la guerre comme tes esclaves? Well, those people, they are not even fighting him. Ces gens-là, ils ne combattaient même pas Muhammad. They are not even in war with him. Il n'y avait pas de guerre entre lui et ces gens-là. They did not commit a crime against him just because he's seeking their money. Read carefully. Et ils n'avaient commis aucun crime contre Muhammad. Tout ce que Muhammad voulait, ils cherchaient leur argent. This is your hadith al-Bukhari saying that you are the best of mankind. Muhammad is teaching the white Arab to be supremacist. Voici le hadith. Il dit que vous êtes la meilleure des communautés et des peuples. Muhammad est en train d'enseigner les Arabes d'être suprémacistes. You are the best of the people ever raised for mankind. Vous êtes la meilleure des communautés qui est jamais élevée pour la, donc, le bénéfice de l'humanité. Benefit of mankind. Chapter 3, verse 110. Donc, chapitre 3, verset 110. The best for mankind are those who bring them with the chains down around their necks until they embrace Islam. Donc, la meilleure des gens de l'humanité, vous, ce sont les gens qui amènent les gens avec des chaînes autour de leur cou jusqu'à ce qu'ils vont embrasser l'islam. So, they capture you in order to force you to convert to Islam. Donc, ils te capturent juste pour te forcer à devenir un esclave. Non, ça, on doit montrer ça en français. Hein. On va lire ça pour qu'on ne puisse pas dire ce que Christian Preston n'a pas dit. Riyad al-Salihin, numéro 1839. Abu Hurayra, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit dans l'interprétation des ayats rapportés, il dit, vous êtes le meilleur des peuples jamais élevé pour le bénéfice de l'humanité. Surat 3, verset 110. Les meilleurs pour l'humanité sont ceux qui les amènent avec des chaînes autour du cou, jusqu'à ce qu'ils embrassent l'islam. Et les sauvent. Et maintenant, ils ont mis entre parenthèses, et les sauvent ainsi du châtiment éternel dans les feux de l'enfer, et les font entrer dans Jannah, dans l'au-delà. Retour rapide chez Christian. J'ai Christian Prince, un retour rapide. Puis ce soir, on ne veut pas répéter quelque chose que Christian Prince n'a pas dit. Voilà. Ok, so let me ask you a question. Attends, je vais te poser une question. If you don't put this into context, this goes against the Quran. Maintenant, si toi, tu ne mets pas ça dans le contexte, ça va contre le Coran. Okay. So when something goes... Comment ça? Okay, show me where in the. Si quelque chose s'oppose à ce que dit le Coran. The Quran says if this is against the Quran. Go ahead. Est-ce que tu peux me montrer là où on dit que cet hadith est contre le Coran? No compulsion in religion. On ne doit pas forcer la religion. Il n'y a pas de no compulsion in religion. Il n'y a pas de force dans la religion. Il n'y a pas de compulsion dans la religion. That you see, this is the verse about that the Jews. They said, "We will not let our children convert to Islam." Muhammad said, "You cannot do that." Ce verset que tu as cité, qu'on ne doit pas forcer la religion, la ikra, la fidin, c'est un verset qui concernait les Juifs. Là où Muhammad disait aux Juifs que vous ne pouvez pas forcer à vos enfants la religion, vous ne pouvez pas les interdire à venir joindre l'islam. On va répéter ça. That you see, this is the verse about that the against the Quran. Okay, show me where in the Quran it says if this is against the Quran. Go ahead. No compulsion in religion. On ne doit pas forcer la religion. No compulsion in religion. That you see, this is the verse about that the Jews. They said we will not let our children convert to Islam. Muhammad said. Là, c'est un verset qui concerne les Juifs. Les Juifs qui disaient, on ne peut pas laisser nos enfants devenir ou bien se convertir à l'islam. Et Muhammad est en train de parler aux Juifs. We will not let our children convert to Islam. Muhammad said, you cannot do that. It's against... No, it doesn't say that. Okay.
Et Muhammad est en train de leur dire, vous ne pouvez pas forcer votre religion sur les enfants. But then, okay. Did Muhammad Non, ça ne dit pas ça, ça ne dit pas. Saying that the one. Let's hold on. What is the point? Hold on. Oh, ok. Est-ce que Muhammad avait dit? Attends. Hold on. As long as there's no compulsion in religion, what is the punishment for leaving Islam? Bon, comme tu dis qu'on ne doit pas forcer la religion sur quelqu'un, quelle est la punition de quelqu'un qui quitte l'islam? Was the same apostasy for leaving Christianity? La même loi d'apostasie qu'il y a lorsque quelqu'un abandonne la chrétienté, le christianisme. That's false. We don't have such a law in Christianity. C'est faux. On n'a pas une loi pareille dans le christianisme. Do you want the verse? Tu veux un verset? Que je te donne un verset? We're going to quote the Old Testament, right? Tu vas citer l'Ancien Testament. Right? What is a different God? No, it's a. Est-ce un Dieu différent? Same God, but the Jews are ethnic and religious. Hold on. Là, c'est le même Dieu. Mais les Juifs, eux, ils sont donc une minorité ethnique lorsqu'ils vivaient là. C'était donc un groupe ethnique. Ils prenaient la religion comme la religion ethnique. Hold on. Christianity, you see, est-ce que ce Dieu-là a changé des stratégies, des tactiques? You quote, even your God don't agree with you. According to the Quran, this is a law. Même ton Dieu n'est pas d'accord avec ce que tu dis. D'après ce que lui dit. Oh, hold on. You just left Islam. Tu as juste quitté l'islam. Tu as quitté l'islam. You just left Islam. I'm not saying it's wrong. I'm not. Mais la Christian Press, tu veux dire que c'est, ce n'est pas bon. Maintenant, c'est donc, c'est pas bon maintenant. You just left Islam. I'm not saying it's wrong. I'm not saying it's wrong. I'm showing you that you are a hypocrite. A second ago, you said you quote for me a verse. Donc, je dis que tu es hypocrite. Il n'y a pas une seconde, tu m'as donné un verset. Saying that there's no compulsion in religion. Là où tu dis qu'on ne doit pas forcer à la religion sur quelqu'un. I'm showing you, you are a hypocrite. No. Christian, je te montre toi, tu es hypocrite. You just said. No. I'm not saying it's wrong or not. Je n'ai pas dit que ce qui est écrit était mauvais ou bon. Je n'ai pas dit ça. You're the one saying to me, quoting for me, ever shut up. You are the one who said to me that this is contradicting the Quran. I said what? C'est toi qui m'as dit que cela contredisait le Coran. Et je t'ai dit quoi? You said the Quran says there's no compulsion of religion. I said okay. Et tu m'as dit que on ne doit pas forcer à la religion. Il n'y a pas de coercition dans l'islam, dans la foi. What is the punishment for leaving Islam? So how there's no compulsion in Islam and yet you kill the one who leaves Islam? Maintenant, comment est-ce que tu dis on ne doit pas forcer à la religion sur quelqu'un d'après l'islam? Et maintenant, vous tuez quelqu'un qui quitte l'islam. Ouais. Tu peux expliquer? Okay, if I go around the same punishment that says in your Bible. This is... Bon, si je vais évoquer la même punition qui se trouve dans votre Bible de quelqu'un qui quitte la religion. This is not the question. This is not the question. This is... C'est pas ça la question. It's not the question. That is not the question. C'est pas ça la question. Being a coward now, you are running. You said. Tu es lâche maintenant. Tu es en train de fuir le sujet. You quote for me a verse. I will let you finish. You said to me a verse. You said this is contradiction. So. Tu m'as donné un verset. Tu m'as dit qu'il y a une contradiction. I'm asking you. What is the punishment? You said death. Okay. Maintenant, je te posais la question. Quelle est la loi, donc la punition de quelqu'un qui quitte l'islam? Tu m'as dit que c'était la mort. Et alors? Oh, the verse says you cannot force somebody to convert to Islam, but yet you kill the one who leaves Islam. Ah, maintenant tu dis que tu veux. Il y a un verset qui dit que tu ne dois pas forcer la religion sur quelqu'un. Maintenant, vous, quelqu'un qui quitte l'islam, vous le tuez. Okay. Can I finish now? Go ahead. I'll let you finish. Go ahead. Okay. If you go. Oscar, est-ce que je peux terminer? Ok, vas-y. Around enticing people to leave Islam, then you will be killed. Maintenant, si toi, tu quittes l'islam, et puis tu vas commencer à pousser ou bien à provoquer les gens pour qu'ils puissent quitter l'islam, là, on va te tuer. If you leave Islam in your house, nobody knows, then you have no problem. Maintenant, si tu quittes l'islam, tu es calme dans ta maison, alors, il n'y aura pas de problème, personne ne saura ça. It says the same thing in your Bible. Ça dit la même chose dans la Bible. Do you want the verse? Tu veux un verset? Yeah, go ahead, show us the verse. Donne-nous le verset. Okay, let me give you the verse real quick. I'm gonna give you. Je vais te donner le verset. What you want? You want the verse about?
Avant cela, on va vous montrer le hadith que Christian Prince avait montré dans son écran, avant qu'il ne puisse, on puisse pas sortir et parler d'autres choses. Il y a d'autres hadiths que Christian Prince va vous montrer. Ah, c'était le hadith, ce hadith ici. Il dit, Ibn Abbas a raconté que le messager d'Allah a dit, celui qui change de religion, c'est-à-dire les apostats, il faut le tuer. Rapporté par Bouhari, c'est un hadith qui est rapporté. Il dit, quiconque change de religion, tuez-le, il faut le tuer. Un hadith numéro 46, livre 9. Ah, on va retourner promptement chez Christian Prince. Promptement chez Christian Prince. Ok, on y va. There we go. My friend, you are just wasting my time. This is not the question. Mon ami, tu fais perdre mon temps. Ça, c'est pas ça la question. You said there's no complosion in the religion, so you are lying or lying to yourself. Toi qui as dit qu'il n'y a pas de compulsion, il n'y a pas de force, on ne force pas la religion sur quelqu'un dont tu n'as fait que mentir, n'est-ce pas? So why you are going to change the topic? No, you did not tell me. Je t'ai dit ça. Non, tu ne m'as pas dit ça. Tu ne m'as pas montré ça. Tu ne m'as pas montré ça. Tell me, the Quran, your prophet says, whoever changes religion, he changes inside the house, he changes outside the house. If they find about... Votre prophète a dit, quelqu'un qui change de religion, qui change dans la maison, ou bien à l'extérieur de sa maison, il faut le tuer. Là, on dit, nulle contrainte dans la religion. Ça, c'est la sourate 2, verset 256. C'est le mot que je cherchais. Nulle contrainte en religion, car le bon chemin s'est distingué de l'égarement. Sourate 2, 256. Maintenant, toi qui dis qu'il n'y a pas de contraintes. What do you mean? What do you mean? How would you know I changed? How would you know I have became a non-Muslim if I didn't come and tell you? Maintenant, comment est-ce que tu vas savoir que j'ai quitté l'islam, je suis devenu un homme musulman si je ne suis pas venu te le dire? Okay. Well, if you don't pray, you are not a Muslim no more. Man tariku salatu kafir. The one who stopped praying, he's a kafir. Donc, si tu vas pas à la prière, tu arrêtes de prier. Donc, tu n'es plus un musulman. Donc, celui qui arrête de prier, donc c'est un kafir. I have became a non-Muslim if I didn't come and tell you. Okay. How would you know? Well, if you don't pray, you are not a Muslim no more. Man tariku salatu kafir. The one who stopped praying, he's a kafir. They will kill him. Okay. Et celui qui arrête de prier, c'est un kafir. Et on va le tuer. Il faut dire nulle contrainte dans la religion. Mais si tu quittes l'islam, on va te tuer. Ok, let's go to Deuteronomy 13, 6 and 9. Est-ce qu'on peut partir dans le livre de Deutéronome, chapitre 6 et 9? And let's see if it says the same thing. Et on va voir si ça dit la même chose. What does that have to do with my question? Qu'est-ce que cela a à faire avec ma question? I know the Bible by heart. You are being silly now. Je connais la Bible. Je connais. Mais tu es stupide maintenant. Je connais la Bible par cœur. Tu parles de quoi? I'm asking you. Is it free for you to be a Muslim? Is there complosion in religion or there's no complosion? I want an answer. Je te pose la question. Est-ce que y a-t-il la contrainte dans la religion? Tu peux quitter l'islam et vivre? Y a-t-il contrainte, oui ou non? There's no compulsion in religion. Il n'y a pas de contrainte dans la religion. So you're a prophet, he sent the three letters to three kings, saying convert or die. Maintenant, comment est-ce que votre prophète avait envoyé trois lettres à ces dirigeants-là, à ces rois? Il les a dit, convertissez-vous ou bien vous allez mourir. Is that true? Show me. Est-ce vrai? Ok. Show me. Here we go. It's in the front. Montre-moi ça. In front of you on the screen. Aslam Taslam. C'est devant toi. J'ai mis ça. C'est dans l'écran. On dit Aslam Taslam. Aslam Taslam doesn't mean a convert or die. No. Aslam Taslam ne veut pas dire convertissez-vous ou bien vous allez mourir. Convertissez-vous ou bien mourrez. No, it's me convert or die. Here we go. Aslam Taslam. No, Taslam means you will be saved. No. Taslam veut dire
vous serez sauvés. Vous n'allez pas mourir. Je suis un arabe. Lorsqu'on dit aslam, taslam, taslam veut dire vous n'allez pas mourir. This is my language. Taslam means you will be safe. Taslam, là c'est mon langage, ma langue maternelle. On dit taslam, ça veut dire que vous ne serez pas tués, vous serez sauvés, vous ne serez pas tués. Taslam means you will be safe. Ça veut dire que vous serez sains et saufs. Taslam means you will be safe. Do you agree? Taslam veut dire vous serez sains et saufs. Tu es d'accord? Okay, you'll be safe. Then safe for what? Say it right. It doesn't... Vous serez saufs. Sauvés de quoi? Okay. Sauvés, ça ne veut pas dire tuer. Sauvés de quoi? From okay. What? Safe from what? Vous serez sauvés de quoi? Vous serez sains et saufs de quoi? From Allah. Come on. Ah, vous serez sains et saufs de Allah. From Allah or from the world? Okay. Big Muhammad. Okay, then. Vous serez sains et saufs de Allah ou bien de la guerre? Okay, hold on. Did Muhammad after that? Muhammad took his army and he attacked the Roman after that letter? N'est-ce pas que Muhammad avait pris son armée et il avait attaqué les Romains après avoir envoyé ces lettres-là? The Romans attacked us, attacked the Muslims 3-4 times. Les Romains avaient attaqué les musulmans 2 ou 3 fois. 3 ou 4 fois. It's false. It's your prophet. You're a prophet. Yeah. He said to me. C'est faux, c'est votre prophète. The Romans attacked us, attacked the Muslims 3-4 times. That's false. It's your prophet. You're a prophet. Yeah. He said to the Muslim, let me show you. I don't want to call your name, my friend. I'm talking. Attends, c'est faux ce que tu dis. C'est votre prophète qui avait dit ça. Il avait dit qu'il faut attaquer les Romains. Attends, je vais te montrer. Je ne veux pas t'appeler un mauvais nom. Je vais te montrer quelque chose. Je veux être courtois avec toi. N'est-ce pas ce que votre prophète avait dit? I'm trying to be nice to you. Did your prophet say, attack the Romans so you can get the blonde girls? N'est-ce pas que votre prophète avait dit, attaquons les Romains pour avoir des belles filles, les filles blondes? So you can what? You can get the blonde girls. Tu dis quoi? Oui, attaquer les Romains pour avoir les filles blondes. No, I don't believe he said that. Okay. Non, je ne crois pas qu'il avait dit ça. Okay, let us see. Here we go. Okay. Attends, je vais te montrer ça. But you do agree that apostasy laws in your Bible. Mais est-ce que tu es d'accord qu'il y a la loi de l'apostasie aussi dans la Bible? Right? Yeah, in the Old Testament, but I explained to you why. Oui, dans l'Ancien Testament, et je t'ai expliqué pourquoi. So was it wrong always, or is it wrong back then? This is not about. Est-ce que c'était mauvais toujours, ou bien c'était mauvais à cette époque-là? About wrong, or this is not about wrong. This is about contradiction. Non, c'est pas question d'être mauvais. Nous parlions des contradictions. You see, I am not mentioning that. You are being a fool. I am not mentioning that to say this is to you wrong. Non, je n'ai pas mentionné pour cela. Donc, tout ce que tu dis là, c'est ça. Ça n'a pas de sens. We are talking about, do your prophet force them to convert to Islam or not? J'ai la question, est-ce que votre prophète les avait-il forcés à se convertir? Par contrainte, oui ou non? The one who is leaving, they are born in that religion. They are Jews. You cannot convert to be a Jew. Ici, là où tu parles de la Bible, il s'agissait de judaïsme, de juifs. Tu ne peux pas te convertir pour devenir juif. Muhammad, he forced his religion. He forced them to be a Jew. Mais Muhammad, lui, avait forcé la religion à ces gens-là. To Islam or not. The one who is leaving, they are born in that religion. They are Jews. You cannot convert to be a Jew. Ah, les gens là qui parlent dans la Bible, c'était des gens qui sont nés dans le judaïsme. Tu ne peux pas quitter le judaïsme, ou bien tu ne peux pas quitter de devenir juif et tu ne peux pas te convertir pour devenir un juif. Muhammad, he forced his religion. He forced them to be a Jew. He forced them to be Muslims. Muhammad, lui, a forcé les gens à devenir musulmans. Il a forcé la religion sur les gens. You can be a Gentile Jew. You sure you know your Bible? Tu peux être un juif gentil juif.
Christian Prince. Est-ce que tu connais bien ta Bible? Tu es sûr? My friend. You could be a Gentile. Okay. Don't, okay. Tu peux être un gentil juif, un homme des nations juif. I know my Bible. No, you cannot convert to be a Jew. Je connais ma Bible. Tu ne peux pas te convertir pour un juif. Gentile is the agonai. They are not. They are not. They are not Jews. The Jews are the one who is born from a Jewish woman. Les gentils, les gens des nations, les gonailles, ne sont pas des juifs. Le juif, c'est celui qui est né d'une mère juive. No, no, that's all right. Wrong. Okay, here we go. Non, 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 Christian Prince. So, this is in front of you. I have. Okay, hold on, hold on, hold on, hold on. Here we go. Attends, je vais mettre ça à l'écran. C'est devant toi. So, here we go. This is your prophet. This is your prophet. Ça, c'est votre prophète qui a dit ça. Either, okay, you're trying to change the topic, you're ashamed of your prophet. Donc tu veux détourner, tu veux changer le thème, tu as honte de ton prophète. Okay, this is the tafsir in front of you. Là, c'est le tafsir devant toi. Which what one? Does it say in the back of the tafsir? Tell the people real quick. What it says, est-ce que tu peux dire ce qu'on a dit derrière le livre de tafsir? Attack the Roman and get the blondie girls. Il dit attaquer le Romain pour avoir des belles filles, les filles blondes. Okay, no, I'm asking you a question. Well, in the back of the book of the tafsir, what? Je te pose la question derrière le livre de tafsir, qu'est-ce qu'on dit? What does it say? What it says? It says your Muslims are a bunch of liars. Tu veux dire quoi? Qu'on a dit que tous vous les musulmans vous êtes tous des menteurs? No, it says this is the opinion of the author, and Allah knows best. So that book is infallible. Ah non, Christian Prince, on a dit derrière le livre de chaque hadith que ça, ce sont les opinions des auteurs. Les auteurs, c'est leurs opinions. Cela veut dire que leurs livres, là, ne sont pas infaillibles. Il peut y avoir des erreurs. First of all, it's a stupid of you to say so because he is saying the prophet said. D'abord, ce que tu as dit là, c'est trop stupide de dire ça. Puisqu'ils ont dit que le prophète a dit. Ce ne sont pas les auteurs qui disent, c'est le prophète. This is not opinion. When I say to you, hold on. You see, là, ce ne sont pas les opinions. Muslim, my patient. It says, here we go. I'm Mujahid. This is the hadith. Hadith number 16786. Je te montre le hadith. Là, on parle de Mujahid, numéro 16786. It says, and Mujahid, قالوا, قال رسول الله. The prophet said, how you say this is opinion? Are you an idiot? Il a dit que le messager d'Allah a dit, hein? Ça c'est tu es idiot ou quoi? C'est pas l'auteur qui parle là, c'est on dit c'est votre prophète. Mujahid, this is the hadith, hadith number 16786. Là c'est le numéro de hadith qu'on a donné là. It says, and Mujahid, قالوا, قال رسول الله. The prophet said, how you say this is opinion? Are you an idiot? قال رسول الله. Là on dit que c'est votre prophète qui parle, ce n'est pas une opinion. Je ne vois pas ça à l'écran. Est-ce que tu peux mettre ça à l'écran? The screen. Je vois 3, verset 110. I don't see anything but 3, 1, 1, 10. Je ne vois rien à l'écran, sauf le verset 310 que tu avais montré avant. Okay, I'm going to show for right now. Ça va montrer. Attends, je vais te donner ça. Dans l'entretemps, avant qu'on continue, on va lire ce que le frère est en train de dire. Ce que le frère est en train de dire. Christian Prince avait montré un hadith là, c'est en français. On doit montrer ça aussi. C'était Sunan Ibn Majah. Shabi a dit, quand Adi Atim est venu à Koufa, nous sommes venus le voir avec une délégation de la Fouca. Parle-nous de quelque chose. Il dit, je suis venu voir le prophète. Et le prophète a dit, entrez dans l'islam et vous serez en sécurité. Et je dis, qu'est-ce que l'islam? Il a dit, témoignez de la ilah, la 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 bla bla bla. Nul n'a le droit d'être adoré sauf Allah et que je suis le messager. Et croire en tout le décret divin, le bien, le mal, le doux et la mer, tout ça.
Ça, c'est hein, le Christian Prince avait évoqué ce verset-là. Et on continue rapidement pour montrer ce que Christian Prince est en train de parler. On y va, Christian Prince. Do you see it? Est-ce que tu vois ça? No, it still says, you are the best of people ever raised. On dit que vous êtes la meilleure des communautés, les gens qui ont été sur toi. L'écran du frère a bloqué, mais ça va se débloquer dans quelques secondes. Up for the Refresh benefit your of page. mankind. Refresh your page. Refresh your page. Est-ce que tu peux rafraîchir la page? Refresh it. Refresh the YouTube. Yeah. Donc, tu veux dire rafraîchir YouTube? Oui. Okay. Maybe you are stuck there. Peut-être ton écran est bloqué là. Okay, refresh. I just hit refresh. One second. One second. Let's come. Une minute, je suis en train de rafraîchir. Come back up. On est en train de rafraîchir. Et comment est le son? J'ai beaucoup lutté avec le son au début. Les gens qui nous suivent, français, anglais, interprétation, les micros nous ont compliqué auparavant. Je ne sais pas si le son est bon. Ah, OK. merci What do beaucoup. we Merci beaucoup, le frère Trompette, pour qui s'il dit abonnez-vous, partagez, likez. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour nous rappeler ça. On demande à tous ces gens, à tous les frères qui nous suivent de nous aider à vulgariser ce message, de abonner, de s'abonner à cette page et de partager avec les autres frères pour que les gens puissent entendre le message, les instructions que nous recevons des Christian Prince, la parole de Dieu. Donc, juste pour être informés, essayer de nous aider à vulgariser le message, puisque les gens doivent être enseignés, nous avons tous besoin de connaître quelque chose. On apprend toujours l'un à partir de l'autre. Abonnez-vous et vulgarisez notre page. Prenez notre page, partagez avec tout le monde. On continue avec Christian Prince. It says here, Urzutabu, I see a bunch of Arabic. So you are Je vois beaucoup d'écritures en arabe, hein? Un tas de écritures là, arabiques. Muslim, but you don't know Arabic now? Donc, toi, tu es musulman, tu ne connais pas l'arabe? So you are a Muslim, but you don't know Arabic now? No, I don't know Arabic as much as Okay, I need will to use know Google. Arabic. Okay, no problem. Bon, je ne connais pas l'arabe, comme toi, tu connais l'arabe. No problem, Do I read all of this? no problem, no I problem. mean, Il n'y a pas de problème. I mean, what's going on Okay, here? he prayed to Allah in Arabic, but you do not know. Okay. Maintenant, toi, quelqu'un qui prie à Allah en arabe, il ne connaît pas l'arabe. I will use Google Okay. Translation. What we can do? Jesus Hold prayed on, to God hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on. Okay. N'est-ce pas que Jésus lui aussi priait, il parlait hébreu et grec? Maintenant, est-ce que toi, tu connais le grec? Hein, Christian Press? Read, read, read. Do you know Hold on. Hebrew? We are, Est-ce que Christian Press, toi, tu connais le grec? as a Christian, we do not. You as a Muslim, you have to pray to Allah in Arabic. So it's a must for you. Non, non, nous, en tant que chrétiens, nous ne sommes pas forcés à prier en grec ou bien en hébreu. Mais vous, en tant que musulmans, on vous dit, vous devez prier en arabe. To learn Arabic. For us, we don't. On vous dit d'apprendre même l'arabe. Mais chez nous, il n'y a pas ça. Il n'y a pas cette contrainte-là d'apprendre des langues hébraïques ou bien grecques. Don't change topic. Don't change topic. Don't change. Ne change pas le thème. Ne change pas le thème. This topic, shame on you. The hadith in front of you. The hadith in front of the hadith. Honte à toi. L'hadith est là. J'ai traduit ça en utilisant Google Chrome. L'hadith est là. The hadith in front of you. Attack. Le hadith est là. On dit attaquer. Attack the Roman. You are a big mouth. You say nothing. You are wasting my time. Tu as une grosse bouche. Tu perds mon temps. Tu parles beaucoup. It says attack the Roman. Attack the Roman so you can take the women of the yellow. Dit que attaquer les et vous allez prendre les femmes de gens jaunes, de blancs. Vous allez prendre les femmes blanches. Okay, where? Show me one second. It's in front of you. Montre-moi, c'est où? C'est devant toi. Give me permission and do not miss me. Is this one that you're talking about? Yeah.
Et dis, donne-moi la permission, c'est de ça que tu parles? Or the one after, to say in interpretation, which one is you? Tu parles de quoi? Là, on a écrit, donne-moi l'interprétation, c'est quoi? Which section am I need to read? Je dois lire quelle ligne, quelle section, quel paragraphe? Read any, well, it says for you, attack the Roman and get the daughter of the yellow. Mohamed a dit, attaquez les Romains, vous allez attraper, vous allez avoir les femmes des blanches, les femmes des jaunes. Attack the Roman, okay. Let me see where it says attack the Roman. Hold on one second. Okay. Est-ce qu'on a dit attaquer les Romains? Je ne vois pas ça, une minute. Where is attack the Roman? Can you highlight it? Que tu peux souligner ça? Here we go. Conquer, here we go. Okay. The prophet of Allah said, hold on, read it from here. Read it from here. On dit, le messager d'Allah a dit, faites la conquête, faites la conquête de Tabouk. Here, read from here, here we go. À partir de là? From the beginning? À partir du début? On a écrit conquête, là on a souligné. Conquer Tabouk, I will read for you. Conquer Tabouk, take the advantage of the daughter of the yellow. The Roman women, this is the purpose of Muhammad attacking Tabouk. Il dit, faites la conquête de Tabouk, allez attaquer Tabouk et prenez avantage de les filles, des gens jaunes. Il dit, allez prendre les femmes romaines. Donc, c'était ça le but de la conquête de Muhammad. They did not attack him, they never attack him, they never actually enter Saudi Arabia in the history of the Roman, never. Et les Romains n'avaient pas attaqué Muhammad, ils ne l'ont jamais agressé et ils n'ont jamais attaqué l'Arabie Saoudite dans toute l'histoire de Muhammad, jamais ils n'ont jamais fait ça. So he's saying attack a book because this is the closest point of the Roman. Attack the book. Là c'était la place des Romains, Tabouk. Il dit qu'il faut attaquer Tabouk, les gens qui ne lui ont rien fait. So you can get the blonde women. Here they translate the word, it's yellow in Arabic, but it's mean the blonde girls. Il dit attaquer les Romains, vous allez avoir les femmes des jaunes. On a écrit en anglais, on a interprété le mot yellow. Maintenant, en arabe, ça veut dire les filles blondes, les filles blanches. So a guy, he said to him, leave me alone. Don't tempt me by women, you false prophet. Et il y a eu un homme là qui a dit à Muhammad, laisse-moi seul. Il ne faut pas me tenter par les femmes blanches. Hein, tout ça. On va montrer cet hadith là en français pour être sur la même longueur d'onde avec Christian Prince. C'est très intéressant. Le hadith là. C'est un tafsir du verset 9, surat 9, verset 49. Il dit, parmi eux, il en est un qui dit, donne-moi la permission de rester et ne me mets pas en tentation. Cet homme-là dit, ne me mets pas en tentation. Or, c'est bien dans la tentation qu'ils sont tombés. L'enfer est autour de mes créants. Maintenant, ce monsieur-là qui disait, ne me mets pas en tentation, c'est lui qui disait à Muhammad, laisse-moi, il ne faut pas me tenter par les belles femmes. Puisque le hadith que Christian Prince est en train d'expliquer, c'est un hadith de Tabari, la même surat 9, verset 49. Il dit, ne manquez pas, ne me mettez pas en, permettez-moi de rester, ne me mettez pas en tentation. Muhammad est en train de dire qu'il faut attaquer. Il dit, il faut envahir Tabouk pour avoir les filles de jaune. Les femmes des Romains, si on attaque, on va avoir la permission de prendre toutes ces femmes. Alors cet homme l'a dit, donne-nous la permission et ne nous tentez pas avec des femmes. Ça, c'est un homme qui disait à Muhammad. Maintenant, Muhammad dit, il faut envahir les filles des jaunes, signifiant les femmes des Romains. Et puis, il a mentionné, il y a beaucoup de savants qui ont parlé de ça, la signification de ça. On a même le Asbab al-Nuzul. Surat 9, verset 49, que Christian peut parler, Asbab al-Nuzul, il dit ceci, parmi eux, il y a celui qui dit, accorde-moi la permission de ne pas partir, de rester, ne me mets pas en tentation. On dit que Muhammad avait dit, il avait dit ceci, il dit que c'est parce que lorsque le messager d'Allah, qu'Allah le bénisse et le dit dans la paix, s'est préparé pour la bataille de Tabouk, il a dit, « Oh, Abu Wahab, ne voudrais-tu pas avoir des dizaines de femmes et d'hommes byzantins comme concubines et serviteurs ?» C'est ça que Christian Prince est en train de parler. Retour très vite à Christian Prince, puisqu'on va terminer tout de suite là. Ok, on continue, Christian Prince. So it says, Jesus told us on the authority of Ibn
What Jesus told me. Il dit, Jésus a dit sous l'autorité, regardez. What Jesus told me. Jesus told me. It says right here. Oh, est-ce qu'on a dit Jésus? It says Jesus told us right there. This is the translation. His name is Isa, my friend. This is Google Translate. Ça c'est une translation de Google. On dit, son nom c'est Isa. Translation, translated the word Isa as Jesus. There's no Jesus in the story. Il n'y a pas Jésus dans cette histoire. The one is talking. The one is talking. Read the messenger of Allah. Allah praying him and salute him said, conquer Tabuk to take advantage of the daughter of the yellow. On dit que le Muhammad a dit, faites la conquête de Tabuk et prendre les femmes des jaunes. And the Roman women. Les femmes des Romains. The guy, his name Ajad, he said, which means a grandfather, he said. Et cet homme-là, Ajad, ça veut dire grandfather, grand-père, il a dit. Leave us alone. And don't fascinate us by women. Il dit, laisse-nous, il ne faut pas nous tenter avec les femmes. Conquer the Buddha, the grandfather said, leave us alone. Okay, now all we need to do to prove this right is show me the hadith. That's all. Bon, tout ce que tu dois faire, il faut me prouver ça. Tu dois me montrer un hadith. In front of you. Just go. Mais c'est devant toi, réalise. Ah bon, vas-y, va-t'en. Go, just go, stupid idiot, just go, man. Ah, ça, c'est idiot, stupide, je te montre ça. Pars, tout simplement. Just go, show me the hadith, this is the book of tafsir, show me the number of the hadith, you donkey. Il me demande de me lui donner le nombre, le numéro des hadiths. C'est devant lui, le numéro est là. And you want me to prove it to you is true? So it's, you're Muslim, you collect it, you write it, you put it there, it's not true? Hein, donc tu veux, je veux que je puisse te prouver si c'est vrai? C'est là où dit que vous les musulmans, vous ramassez n'importe quoi et puis vous mettez là-bas? You Muslims explain the Quran by a false story? Donc tu veux dire que les musulmans, ils expliquent le Coran par une histoire fausse? C'est ce que tu veux dire? The filthy idiot, he accept that Muhammad considered black, the devil is a black. Ce garçon ici, cet idiot, il accepte que Muhammad a dit que le diable est noir. The black dog is the devil just because he's black. Que le chien noir est le diable, juste puisqu'il est noir. Shaitan is a black just because the black is a bad color for him. Et Satan est noir puisque noir est une mauvaise couleur pour lui. And he's an African, you believe it? Et imaginez-vous, c'est un Africain, ce monsieur ici. And now he is saying to us that the Romans attack Muhammad, they never attack Muhammad. Et il dit que les Romains avaient attaqué Muhammad. Les Romains n'avaient jamais attaqué Muhammad. Muhammad sent the letter saying convert or else. And the Quran in chapter 9. 20... Et d'ailleurs, ce Muhammad qui avait envoyé des lettres, il a dit convertissez-vous ou bien. The letter saying convert or else. Il a dit convertissez-vous ou bien. And the Quran in chapter 9:29 says, fight those who believe not in Allah. From... Et le Coran chapitre 9 au verset 9 il dit combattez tous ceux qui ne croient pas en Allah. Who from the Christian and Jews you idiot donkey. Parmi the Christian and Jews you idiot donkey. Combattez parmi les gens, combattez les gens, les Juifs et les chrétiens. Toi, un idiot. Enter what? Quran in chapter 9:29 says, fight those who believe not in Allah. From who? From the Christian and Jews, you idiot donkey. Enter what? Enter they pay the jizya with humiliation. Il dit quoi? Combattez ces gens ici. Jusqu'où? Jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'ils vont payer l'argent. Ils vont payer la jizya. Et avec l'humiliation. Vous devez les humilier. So what the condition to let them live? Quelle est la condition pour les laisser en vie? If they pay, for Muhammad is a gang mafia leader. La condition, c'est que s'il paye, puisque Muhammad, c'est un dirigeant, un leader, un dirigeant de la mafia. If you pay to Muhammad, it's okay, you can worship the wrong God, you can worship Jesus. Donc si tu payes à Muhammad, tu peux prier même Jésus. Eh bien, si tu veux, tu veux prier même un faux Dieu, pourvu que tu payes l'argent à Muhammad. What the condition to let them live? If they pay, for Muhammad is a gang mafia leader. Muhammad était un leader, un chef de la mafia,
de la gang, de la mafia. Il faut lui payer pour vivre. If you pay to Muhammad, it's okay. You can worship the wrong God. You can worship Jesus. Tu peux adorer Jésus. Tu peux adorer tout ce que tu veux, pourvu que tu le payes de l'argent. It's okay. Just. C'est ok. C'est un ordre pour Muhammad. The wrong God. You can worship Jesus. It's okay. Just pay him. Paye simplement l'argent, Muhammad. C'est notre Shalom.